Alors, bienvenue dans le studio de la Reine Merdio. Comment vous allez? Comment vous allez? Vous allez bien? Vous allez bien, j'espère. Vous allez bien, mon élite de méta? Vous allez bien? Ouais, c'est mon studio ici. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez. Partagez, partagez, partagez. Ça, c'est la cuisine de la gloire glorieuse. Voilà. Je suis depuis la cuisine que je m'adresse aujourd'hui. Je rentre du travail. Je suis en pleine préparation du souper. Voilà. Et je viens en direct. Vous pouvez d'abord partager. Hein, avant que... J'attends le nombre. Le tout, c'est me vendre. J'attends le nombre. Oh. Je ne parle pas s'il n'y a pas le nombre. Le tout, c'est me vendre. Le tout, si je me vends. Je vais vous prouver qu'on peut exister sur Meta. Sans avoir de groupe précis, sans avoir de team de mélangement de quoi. Et fonctionner sans problème. C'est la preuve évidente. Partagez vite. On va quitter ici. Maman, les Ivoiriens, on fait comment au match? J'ai allumé ma senteur. J'avais acheté des senteurs au Maroc. Je les allume sur ma bougie. Voilà. Ça fait le sentiment bon de la maison. Les Ivoiriens, on fait comment au... Quelqu'un peut me dire. Ils ont joué parce que je vois les posts un genre, un genre. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. C'est la maman. La maman. C'est qui déjoue les pronostics. Mon Dieu. Là, vous m'attendez. Je ne suis pas là. C'est comme ça. J'ai dit que c'est comme ça. Il me tente le tout aussi. Oh. C'est comme ça. Là, vous m'attendez. Je ne suis pas là. Je ne serai pas là. Vous serez surpris. Oui, ça ne chauffe pas. Je ne serai pas là. Partagez, j'attends le nom. Je parle parce qu'il n'y a pas le nom. Je suis au courant des agitations. Ça s'agite, ça cogite, ça. En tout cas. Mais, never. Je vous dis ça. Oui, très belle. Dans la cuisine de la gloire glorieuse, maman. Je loue. Le type là m'a loué ça. J'ai dit que, ouais, on m'insulte sur Facebook. Tu peux me louer. Il m'a dit, oui, viens encore faire le direct de là. Je loue ça chez le type là. On dit que je me vante. Ceux qui me suivent depuis des années savent que je suis une personne qui ne se vante pas. Mais le tout aussi, je me vante. Voilà. Mon Dieu, pour vous, on voit. C'est ça. Je me vante. Vous allez faire quoi? Oui. Les Nigériens. Maman, on a fait comment, eh? La Côte d'Ivoire, dites-moi. Ivoirien, zéro Nigérien. Oh là là. Mais c'est leur deuxième match, non? Le premier match, ils ont gagné. Bon, ça va. Non, c'est pas bon quand même. Ah, la balle est ronde. Ouais, Seigneur. Ouais. Je vais très bien. Je ne, ça n'y a rien qui m'embête et qui me dérange, vous savez. Voilà, ça va. Bonsoir, ma reine bio. Terriblement. Ouais, que. Oui, Marie, le feu sort. Je m'engalba dans ma cuisine. Je m'engalba. Hey. C'est l'artiste qui m'a cousu ce boubou. L'artiste qui m'a cousu ce boubou. Je ne sais pas si on peut me mettre le lien. Je vais chercher le lien pour mettre en titre. Je suis habillée par Snow, ou c'est Osmo, ou c'est quoi là. Je vais mettre le lien. Le boubou confectionné, voici son logo. Il a d'autres, il a mis RMB un peu partout là. Voilà.
J'ai tout confectionné, ça au 237. Oui, j'en ai pas mal. Je m'engalba dans ma cuisine, je m'engalba. Hey, hey, je m'engalba dans ma cuisine, je m'engalba. Hey, hey, je m'engalba dans ma cuisine, je m'engalba. Partagez le tirage, quand je dis n'y a pas le nombre, n'est pas là. Moi, je vous dis. Et coupe le tirage, pas. Maintenant, elle me vante, hein. Eh, hey, maintenant, elle me vante. Comprenez, non. Ma plaque là ne brille pas, tu ferais la face briller. Maintenant, elle me vante. J'ai une technique pour la faire briller. Elle a. Quand c'est ma fille qui nettoie, elle ne connaît pas bien nettoyer la petite roue. J'aime quand ça brille, comme si on ne met même rien dessus. C'est qu'elle fait pour vous ces petits plats ici là. Quand elle finit là, elle nettoie ses points. J'ai une éponge que j'aime qu'elle nettoie avec moi. Et puis là, des fois, elle oublie ça. Attendez. Je m'engamba dans ma cuisine, je m'engamba. Hey, hey. Je m'engamba dans ma cuisine, je m'engamba. Hey. Hey, je m'engamba dans ma cuisine, je m'engamba. Mana kon yaoundé. Zalot. Zabendi. Didina. Zalot. Zabendi. Didina. Moi, je nettoie comme ça. Il n'y a pas souvent les cotons, tout ça, parce que je ne frotte pas la casserole sur la matière de la plaque. Voilà. Je nettoie comme ça. Ensuite, j'ai un torchon dans mon tiroir ici. C'est une guenée. Elle est sèche, hein. Vraiment sèche, c'est elle que j'utilise. Je n'utilise pas les suites, tout ça, c'est toujours la même guenée, je la lave rarement. J'utilise juste pour faire briller ma plaque. J'attends un peu, quand ça sèche un peu là, je passe. Même mon frigo, mes appareils, quand je veux que ça brille, c'est le truc sexy qui passe dessus. Bon, le nombre y a là, parce que moi, elle me vante, hein. Ça ne monte pas et qui manque encore. Je dois avoir 500 personnes avant de parler. Ça, maintenant, c'est plus avant, hein. Avant, c'est plus ça. Venez me vendre. Oh, ceux qui saluent, regardez par la fenêtre, je vous salue. Ceux qui partagent, aussi regardez les partages, parce que hier, là, vous avez un peu dérangé. Il y a des gens qui ont partagé, ils ont enlevé les partages après. Je vais donner leur nom. Je vais donner les noms des gens, c'est déplorable. Ils ont partagé parce qu'ils ont aimé le direct, mais par pure manipulation, ils ont enlevé le partage. Vous donnez le nom. Vous avez aussi vu ça comme moi. Sûrement, les appels, ils disent, pourquoi tu partages? Ils ont enlevé. Moi, on ne me domine pas. Je vais donner le nom. Même si la personne avait un clash, je vais donner ton nom. Donc, ceux qui partagent et qui enlèvent par pure manipulation, je vais donner vos noms. Ça sort comme ça sort. Ah, partagez. Venez enlever le partage. Parce qu'on vous a dit, pourquoi tu as partagé? Pourquoi tu as partagé la vérité? La vérité fait mal, le sang ne coule pas. Je vais faire comment? Je ne vais pas dire la vérité comment. Donc, l'âge que j'ai là, vous voulez que je fasse encore dans la boue? Je jaille encore dans la boue. Allez, regarde, on les partage. Bon, maintenant, je me vante. Ok. Bipez les gens dans le direct. C'est comme ça. Je me vante maintenant. Moi, j'ai vu des gens qui ont partagé. Bien, gens que j'affectionne, entre guillemets. Oui, il faut le dire. Ils ont enlevé le partage. Parce qu'on les a blondés. Facebook, c'est pas le voir bébé. Hein? C'est Dorcas qui dit que c'est pas le voir bébé. J'ai pas assez de partage. C'est pas normal. Alors, on arrête le direct. C'est-à-dire, on sort du direct, on part partager et on revient. Je vous ai dit que ce n'est pas le clash. Quand vous me partagez, celui qui me suit est content. Il s'abonne. J'ai trop d'abonnements maintenant. Là. Soit 72 000 abonnés. Ça ne chauffe pas. La femme qui a bloqué plus de 55 000 personnes, qui a 72 000 abonnés, une amie. Donc, hein, j'ai dit que partager, oh, 42 partages avec 500 personnes presque. Vous êtes sérieux? Vous targuez les personnes. Tu dois venir écouter l'avocate. Hein? L'avocate. De la buta cosmétique, l'homologue de la patouchou, Nami. Donc, vous devez venir. Il y a quelqu'un qui pourrait écouter, c'est limpide, comme pour moi, là, c'est fluide, c'est la coulance. Je peux même mirer, hein? Ça brille, la brillance. Oui. Je m'engamba dans ma cuisine, je m'engamba. Hey, hey, je m'engamba dans ma cuisine. Hey, maman, je m'engamba dans ma. Si tu n'as même pas les fesses, tu penches le dos comme ça. Tu vois que ça bouge quand même. J'ai un gamba dans ma cuisine. Ouh, il y a des gens que quand ils me voient, comme ça, ils disent que la merci, pourquoi Dieu ne fait même pas elle-même. Eh, la paix. Attendez, m'asseoir sur ma chaise. C'est des tabourets, hein. Tabourets. Oui. Dans la cuisine de la gloire glorieuse. Vous êtes là? Trop grosse journée de travail aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Oui, les partages, les tags, c'est important. Il nous manque combien de personnes?
nous manque juste 40 personnes, pas beaucoup. Donc, partagez encore. Partage, là, on n'a que 42 partages. Vous vous foutez de la gueule de qui? Une oratrice. Hein? Je dis qu'une oratrice. Vous êtes sérieux? Hein? Une oratrice. Oh là là. Comme toi, tu me crois de vous partager beaucoup, moi. Sors d'abord, tu peux partager. Aimez aussi la direct, le direct. Aimez le direct parce que j'ai combien de j'aime. J'ai même pas des interactions. Non, c'est pas content. C'est pas bien. Je vais couper. À couper, oh! Boumkena. Ouais, Boumkena. Coucou, maman. Avocate. Oui, je suis avocate. Ma belle-sœur, ça, c'est ma belle-sœur. Il n'y a pas trop ma famille sur mes directs. Moi, je vous dis, les gens qui sont la famille ne sont pas trop sur mes. Comme j'entends qu'on dit que la famille, en fait, qu'on veuille utiliser ça pour que moi, tout ce que vous allez utiliser, nul et non advenu. Il n'y aura rien qui va prendre. Et que, Fulminzum, ça va être Lolo. Moi, je ne vois pas les interactions sur le direct. Ce n'est pas juste. C'est pas gentil. Vraiment pas gentil. Alors, on fait une pause, vous sortez, vous aimez le direct, vous revenez. On peut perdre 480 personnes, il n'y a pas de. Il n'y a que combien de j'aime. Attendez, je vous dis. C'est pas normal. Vous ne voulez même pas qu'on évolue. Vous avez les oratrices, c'est-à-dire les femmes que quand elles s'asseyent, elles parlent. Oui, elles parlent. Vous avez ça. Mais vous ne partagez pas. Mais attends. Il y a l'écho. Quand tu parles. Oui, la cuisine, le toit, j'ai une maison avec un toit cathédrale. Tu veux que je te montre le toit? C'est un toit cathédrale, c'est normal. Donc quand je parle, ça fait l'écho. Ils disent tout qu'il n'y a rien dans la maison, c'est pour ça que ça fait, mais c'est parce que c'est un toit cathédrale. Et je suis à l'angle où le toit monte. J'ai placé la caméra vers là, c'est pour ça. Mais vous m'entendez quand même. Hein? Ma sister, ça c'est ma soeur, j'ai ma famille, voilà ma soeur de sang. Elisabeth, que vous voyez là, et c'est la femme de compresseur, le feu sort, c'est ma soeur. Et ça ne chauffe pas, ça reste ma soeur. Vous parlez de quoi? On va dire qu'on commence à utiliser la blabute. Mais ne faites pas, je monte en puissance. Moi, je vous ai dit qu'il y a des choses que je n'entre pas dedans. Elisabeth, là, c'est ma soeur de sang. Oui. Voilà. Mais elle est fan de compresseur depuis 10 ans. Vous comprenez quoi? Mon s'appelle, on se parle propre. Vous comprenez quoi? Donc, vous n'avez pas cette capacité de doser. De doser. À doser. Oh. On n'a pas encore atteint le nombre. Je ne commence pas. On est à 97. Je commence quand il y aura 100, 500 personnes. Oui. L'avocat de notre butin cosmétique, la grande femme d'affaires chevronnée. J'essaierai à Paris le 10 février. Oui. Je vais trahir Dorcas chez toi. Après, je te trahis aussi chez Dorcas. Mon patou chou. Ça, c'est patou et bon. C'est ma personne. Et même, il aime Dorcas. Ça ne chauffe pas. Comprenez qu'à un moment, on va être dans une mixitude. C'est-à-dire, on dit quoi? La mixitude. Là. On dit, oh là là. Une mixture. Ouais, mon bébé. Allô, ma chérie. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon maintenant. Ça va, maman? Tu as internet? Le Congo est en ligne. Depuis le Congo. Les autorités. Allez, ciao à vous. Bisous, mon amour. Bisous. Ok, on commence. Let's go. Mais vous n'avez pas aimé les j'aime là. C'est comme ça que vous faites. On dit que la mère, s'il fait le dire, on ne l'aime pas trop. On la hait. On la comme si vous m'aimez. Les messages que j'ai reçus, maman. Inbox au hasard. Parlez de quoi? Pardon. Mon ami personnel. Mixité. Merci, papa. Le français, mon langue, parmi toute langue. Voilà, 510. On va commencer. Alors, bonjour, bonsoir tout le monde. C'est la reine mère. La maman de l'heure juste. Attendez, je vais chercher mes lunettes. L'avocate de notre groupe là. Ah, c'est dans mon sac que je suis en train. Dans la voiture, vous savez, je suis allée travailler aujourd'hui. J'ai laissé mes lunettes dans la voiture. Même mon yaourt que j'ai amené, je n'ai pas mangé. Ah là là. Je suis vraiment. J'ai laissé mes lunettes. Bonjour, bonsoir, mon élite de bêta, ma crème des crèmes. Voilà, ceux qui m'aiment bien, qui me soutiennent, qui m'ont toujours soutenu. Les nouveaux venus aussi, je vous salue. Ceux qui ne savent pas ce qui se passe, ceux qui ne comprennent pas. Alors, ne soyez pas très étonnés, ainsi va Meta. Alors, voilà. Alors, je suis l'avocate de la Gluta Cosmétique, jusqu'à preuve de contraire. Voilà, donc c'est un peu ça. Pourquoi ta fille... Non, je ne vais pas lire les commentaires, attendez.
Désolée, mettez les commentaires, on viendra sur ça après. Voilà, merci. Alors, je vais vous dire une chose. Moi, là, j'ai constaté, ok, j'ai été parmi les victimes, parce que je suis victime quand même, je suis victime. J'ai été parmi les victimes d'une histoire, d'un complot, d'une flouterie, et j'ai décidé de venir parler, parce que bon, il y a des fois où on est victime, comme ça, on essaie de se taire, de couvrir, de parler. Parfois, on cite la mauvaise personne, donc on connaît c'est qui est à l'origine. Vous savez, j'ai adressé Tatana. Tatana n'est pas contente. Il paraît qu'elle n'a pas dormi aujourd'hui. Ma petite sœur, je pense que c'est ma petite sœur. Je ne sais pas l'âge qu'elle a. Je ne veux pas t'insulter, hein, Tatana. Je ne vais pas entrer dans ton jeu. Je vais te répondre. Mais dans les règles de l'art, gentiment, poliment, avec tout le respect qui va avec. Parce que je juge que je ne peux pas te manquer de respect. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que je vais arriver là parce qu'on dit souvent qu'on est humain. Mais je ne suis pas encore rendue là, là. Mais je constate que ma sortie d'hier t'a empêché de dormir, ma grande sœur, petite sœur. Maman qui est du royaume Bazar. Il paraît que tu n'as pas dormi, mais ce qui en ressort, c'est que je n'ai pas menti hier. Puisque dans ton direct que tu as fait, pour me répondre en me clashant, en insultant aussi partout et tout, en nous mélangeant tout ce que tu as fait, Tatana, pourtant, tu as juré il y a 4 jours, je ne sais pas combien de jours, dans tes sorties où tu passais tout, où tu faisais. Soit je te dis que tu faisais un jeu. Et c'est ce jeu-là que le monde entier découvre maintenant. Tu entrais, tu faisais comme si non, je ne vais jamais, pas derrière, tum, on lançait les mots, on insulte un peu, tum, tu reviens. C'était comme ça tout le temps, Tatana. Tu es venu avouer à demi-mot que la personne, pour ma demande que je t'ai faite hier, ma demande qui devait te faire avoir le brassard, toi, tu sais, aux filles, maman. Ça dit que quand on te voit, on te voit que Tatana, c'est la femme qui a fait la grande paix de Facebook, entre guillemets, la palme d'or que ton frère, monsieur, me sent, devait s'octroyer, devait avoir. On devait dire que c'est Tatana qui a ça, parce que tu as essayé d'appeler partout. J'ai appris tellement de choses vraiment qui ne t'honorent pas, qui ne t'élèvent pas, qui te rabaissent plutôt. Mais je pense que tu n'as pas aimé le fait que je sois venue dire la vérité au grand jour. Mais Tatana, je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas t'appeler au quartier, puisque tu m'as appelé au quartier. On s'était dit sur Facebook que tu m'as appelé au quartier. Je ne pouvais pas t'appeler au quartier pour dire que je me rends compte que si tu allais tourner, aller encore créer quelque chose, ça, vous êtes très forte. Les gens qui ont le doctorat, 7e cycle de la manipulation et de la, je sais même pas quoi, la flouterie et tout ce qui va avec. Tu comprends, ma soeur? Moi, ce qui en ressort dans ta sortie d'hier, c'est que tu pleures ton amitié avec ta soeur. C'est normal. Vous étiez quand même, moi pour moi, vous étiez comme des soeurs. Vous voyez, on croyait même que vous étiez des soeurs parce que vous êtes présentées comme des soeurs. C'est normal. Vous avez vécu des choses. C'est normal. Aujourd'hui, elle a encore recommencé à te clasher. On m'a dit que même aujourd'hui, elle t'a clashé. On m'a donné un peu un petit résumé de Facebook. Ainsi va me tasser, c'est-à-dire que jusqu'au jour où vous allez faire votre paix. Mais tu as demandé que pour que la paix se fasse. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une piste. Il y a une piste de paix qui est envisageable. Par toi, il faut que la mère de ton ex-ami, petite soeur, je ne sais pas quoi, vous asseye. Ce n'est que sa mère qui peut faire que ton cœur baisse. Donc attends, il y a quand même une piste. C'est déjà bon. C'est déjà bon parce que, mine de rien, d'entendre que tu n'as pas dormi, ça m'a dérangé. Parce que moi, j'ai dormi, ça dit qu'elle ronflait, ça dit que le matin, monsieur, je suis parti au travail, c'était intense. Je viens de rentrer. Là, on allait faire le souper. Voilà. Et je ne vais pas préparer grand-chose parce que hier, j'ai fait des dindes et je vais faire du riz là-dessus parce qu'il reste encore la sauce et la viande. Donc, je vais faire du riz blanc, puis les enfants vont manger avec mon chéri. Je vais mettre un peu de légumes à côté. C'est tout. Donc, j'ai pas un gros souper à faire. Mais ma soeur, tu descends si bas. Tu déclares de ces choses pour m'insulter parce que je suis venue dire la vérité. Maintenant, c'est moi qui suis ceci, c'est moi qui commence à coller, ramifier, prendre les gens de famille, que, oh, même les noms de blancs butidiens sortis. Maman, j'étais cité les gens de ma famille. J'ai ma belle-sœur, Marie-Noël, elle n'était même plus sur Facebook, elle est partie à TikTok, elle vient de revenir. J'ai ma sœur comme blanc butila. Peut-être même le degré de celle-ci est plus avancé. Parce que moi, je suis une cousine éloignée. J'ai ça ici dedans. Elle est fan de composition depuis 15 ans. Si elle est là, elle va écrire. Elle va vous écrire, vous allez voir. Ce n'est pas le comment ça. Et ça me choque, c'est tout ma sœur. Elle m'a dit que oh, comme tu es fan d'un, tu es fan. Hé! Moi, que Bouba, je ne connais pas ça. Je t'ai dit que je peux être avec toi, ma chérie, on est dans la même pièce. Tu es ami avec mon ennemi. Je viens et te salue et salue pas mon ennemi. Passe ma main comme ça. Je suis comme Donald Trump. C'est-à-dire que je te rase l'ennemi. Je salue l'autre, je ne salue pas l'autre. Je saute. Je te fais savoir que ce n'est pas des choses qu'on fait semblant pour prouver aux gens. On est en guerre, on est ennemi. Je suis comme ça. Je suis un livre vert. Je suis incompris sur votre toile. Mais vous allez finir par me comprendre. Oui. Parce que ce que tu es en train de vouloir commencer là, Nadège, bon papa, je ne peux pas te suivre. J'ai entendu dire que tu m'interdis d'aller à Angers et de revoir Coco. Donc c'est une histoire de Coco. Je te fais cadeau de Coco.
Les enfants sur Facebook, j'en ai comme ça. Ils arrivent que tout le temps. J'ai cité hier 4. Tu as suivi, non? Blonde Alice, c'est ma fille depuis. Elle se balade, elle se promène. Je ne peux même pas l'envoyer insulter quelqu'un. Si tu vois les échanges que j'ai avec ma fille, il n'y a rien que je l'envoie insulter quelqu'un. Tu dis que Coco, tu vas m'interdire, c'est même plus ma fille, que tu vas me séparer d'elle, maman. Good luck. Bon boulot. Fort. Fort maman. Fort Zoé. J'ai Véronica Max. Moi, les gens viennent, les gens partent, comme la vie tourne, comme le soleil apparaît, ça disparaît. Il n'y a rien de neuf sous le soleil, maman. Il n'y aura rien que tu vas faire, ma grande soeur chérie. Qui sera quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est du classique. Ça, ce qui est mauvais dedans, c'est que ça vient de toi, en fait. Donc, quand on te regarde, ce qu'on disait sur toi devient que c'est vrai. En fait, c'est ce que tu es en train de faire. Et ça s'est passé au grand jour. Il faut savoir que nous sommes sur Meta. Les gens nous regardent. Les gens nous... Je ne suis pas sainte. J'ai ma part qui est faite. Les gens qui me suivent n'aiment pas. Maman, je dis, j'ai parlé avec les personnalités, le feu sort. Voilà. Les gens sont venus dans mon inbox. Bon, maé. Les gens que j'écris même jusqu'à dire, hey, c'est toi. Oh, enchanté, hein. Oui, pour me féliciter de mon direct. Je ne t'ai pas insulté, Nadège. Tu avais juré que tu ne vas pas m'insulter. Mais tu es allé dans la ramasse, ma chérie. Tu es descendu trop bas. Je ne peux pas te suivre, ma soeur. Tu vas rester là-bas. Tu vas faire même 700 directs notés. Hein? 700. Je ne vais pas te calculer. Peut-être au millième direct, je vais te calculer. Comme tu ne vas pas atteindre le mille, parce que tu vas t'épuiser. Tu as ta soeur, ton ancienne soeur, que tu pleures. C'est que le cri qui sort derrière ton clash avec moi, Nadège, c'est « Compresseur, reviens-moi. » La compression là où elle est là, elle ne te calcule même pas. Elle s'est refait une santé, elle s'est refait un groupe, elle ne te gère plus. Mais tu la pleures. Ma chérie, fais la paix à ta soeur qui tue les problèmes. C'est quoi que tu nous amènes? C'est où que tu m'amènes comme ça, Na? Tata Na, c'est où que tu m'amènes? Fais la paix avec ta soeur. Après, maintenant, tu prends le problème, tu charges le problème de monsieur Messin. Tu es son avocate. Moi, je suis l'avocate de Guita. Ça ne chauffe pas, ça ne souffle de rien. Pourquoi c'est un problème, Tata Na? Pourquoi? Pourquoi je suis léger? Pourquoi pas tout est léger? Pourquoi? Pourquoi nous sommes lynchés gratuitement? Nous avons fait quoi? Si on te pose la question que concrètement, la reine Mbeu a fait quoi? C'est ma sortie d'hier. C'est ma sortie d'hier pour venir clarifier les internautes qui fait que tu me lynchais là. Pourtant, tu m'as promis que tu ne me lynchais pas. Et tata, non. Ça comptait ceux qui sont venus partager, enlever le partage. Tu fais que comment, non, ma? Mais ton marabout est fort, hein? Donc, quand tu les appelles, tu dis enlève-moi le partage là, ils enlèvent. Ou tu gères leur page, tu supprimes à leur place. J'ai vu des partages de personnes qui ont partagé mon direct, tellement c'était clair, limpide et précis, et qui sont encore venus enlever le partage. Quand vous souffrez comme ça sur l'État, donc on vous dirige, quelqu'un paye votre connexion. Moi j'ai le iPhone 15, personne n'a payé ça pour moi. D'accord? Je suis connecté intérieur, illimité partout. Personne ne paye ça. Donc quelqu'un peut me dire ce que je dois faire. Ça ne peut pas arriver. Je ne savais pas qu'on pouvait arriver là. Regarde la honte. Il y a des gens qui me tuent. Maman, j'ai dit que, oh, on m'a dit que ma reine, mais ton nom est partout, que moi je suis star. Je suis star malgré moi. Une mère est devenue star malgré elle. Non, mais je suis star. Le tout, sinon, ma star m'a appris. Ce n'est pas les choses qu'on parle. Il a dit que je suis star. Tatana, tu as choisi de me hisser au firmament. C'est toi. Tu as choisi. Quand on est délicatesse, tu n'avais pas besoin. Tu n'avais pas besoin. Et puis que tu as demandé au président, excuse-moi, on va te prononcer ton nom, président, de ne pas nous recevoir. Donc, toi, tu penses que c'est toi qui peux diriger les décisions de président, tata, n'a pas tort. Quand tu fais comme ça, ok? Reste, insulte-moi, mes défauts, mais laisse les gens à côté, ne fais pas, on sent vraiment que tu as affecté. Maman était touchée dans la vérité blessée, mais le sang ne coule pas. Dosh, aninja, a reçoit une bim, en tout, ma casse, là. T'as vu, tu sens, tu tournes comme ça. Oui, elle n'a pas dormi, ma grande soeur n'a pas dormi. Pardon, il faut qu'on fasse quelque chose pour qu'elle dorme cette nuit. Tata, tu dois dormir. Parce que nous avons un dossier crucial. Quand tu as un dossier de monsieur Messin, moi j'ai le dossier de la critère cosmétique. Nous avons, mais attends, c'est un dossier immense. Et tu ne dors pas, on va faire comment, homologue? Il faut que, pendant qu'on va se trouver, tu ne vas pas bailler devant le juge. Le juge facebookal de Mbrakata, du tribunal Mbrakata, tu ne vas pas bailler devant lui. Il faut que tu sois lucide, chérie Coco. Donc tu te donnes tout ce temps. Je sais que quand il y a les directs des réponses, parce que tu pensais qu'en levant ça, tu dois avoir peut-être une armée qui travaille, d'autres directs aussi des réponses, des ci, des ça, par rapport à tout ça. Toi-même, tu mets ta caméra, tu retranscris les directs, mais c'est le travail. Hein? Maman, tu t'es donné quel boulot comme ça? Et ma soeur, juste là, tu es venue trouver que Coco, moi, Coco, que tu vas prendre, prends, maman. C'est ta personne, non? Moi, est-ce que je suis plus avec elle que toi? Maman, Lou, prends.
prends Coco. Ouais, il y aura les autres. Maman, j'ai toujours... Maman, une mère de la multitude en bas. Hé, mes enfants sont beaucoup, même ici au Canada. Hé, bah allez. Ils sont énormes, énormissimes. Je ne sais pas comment je vais faire. Si c'est pour trouver les gens, les bien gens, il y en a. Les enfants, bon maillé. Celui qui ne veut plus, qui dit que c'est puis ma mère, il passe. Parce que c'est ça qu'on a trouvé au carrefour. Et perdu et retrouvé, maman. On continue seulement, on avance, là, ça s'arrête, ça s'arrête. Est-ce que tu sais pas que je suis très fair play, Tatana? Tu n'as pas remarqué ça? Je suis fair play le nez. Puissance N, ma soeur. Il n'y a même pas un plus fair play sur Meta que moi. Est-ce qu'il y a les partages? Parce que je vois là, vous êtes déjà presque à 1000. C'est 1000, je ne sais pas, mais je ne vois pas les partages. Et c'est quoi le projet là? Attendez un peu. Vous êtes sérieux là? 118 partages. Yes! Vous avez battu le record. Parce que hier là, avec le direct, alors que j'ai fait que. Merde, comme l'école de la vie. Je vais vous dire le nombre de partages. 70 partages. Vous avez trop de bons. Quelqu'un dit que oui, je n'ai pas les faux profils. Je ne suis pas en train d'insulter. Tu partages une oratrice. Une femme terriblement mariée, terriblement assise. Tu partages une dame. Une dame éloquente. Oui, qui sait, c'est-à-dire qui sait mettre les points sur les i. Qui ne cherche pas les problèmes. Qui répond seulement aux attaques. Je n'ai jamais clashé de ma vie, Tatana. Tu oublies quoi? J'ai répondu. Mais je suis juste endurante. C'est le bout que vous n'avez pas compris. Je suis endurante comparé à certains qui arrivent à un niveau. Je dis, bon, moi, je laisse comme ça. Ah! Tant qu'il y a la vie, espoir, je suis debout sur ça. C'est comme ça que je suis quelqu'un aussi. Donc, pour mon avocate que je suis là, jusqu'à ce que ma cliente dépose, jusqu'à ce que ma cliente dit que je lève la plainte. Si ma cliente est toujours, je suis la Beaumaille, advienne que pourra. Il paraît que tu as dit que la paix avec compresseur revient toujours. Je comprends. Le cri qui sort dans ça, c'est mon ancien ami, reviens-moi. Tatana, laisse, arrête de te mentir, ma soeur. Retourne voir ta soeur. Tu dis que, compresseur, j'avais ton macabre, comme tu as fait avec maman qui. Fais ça, Tatana. Ce n'est pas mauvais. Tu as la capacité, fais-le. Parce que là où je vois Perpétue là, elle ne va pas se lever sur toi. Elle ne va pas revenir. Elle est dans son bout. Elle a lancé la guerre. Il paraît qu'hier, elle a relancé la guerre. Et que tout à l'heure, avec boum, qu'elle était sur toi propre. Avec les audios de quoi, je ne sais. Tatana, appelle ta petite soeur. Tu dis que tu sais quoi. Déposons tout, c'est bon. Tatana, on ne va pas se moquer de toi. Au contraire, le prophète que tu veux là, nous allons mettre ça sur toi. On me fait la fête. On court le nom correctement et bien. Oui, Tatana, c'est pas une injure, c'est la vérité. Pourquoi la vérité? Pourquoi c'est? Moi, c'est pour ça que je serai toujours incomprise. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Les gens veulent seulement qu'on fait fumer, on t'appelle. Oui, moi, je ne suis pas dans les mots. Je suis une fille bancantée. Je vais vous dire ce qui veut dire bancantée. C'est refus d'esclavage. Barante. Les gens qui ont refusé l'esclavage. Moi, je sors de la chefferie. Sans doute, premier éloge du nom. Quand on arrive à parenter, on dit que les enfants, les natifs de la chefferie, sans doute, c'est les moussis là. Ils sont le descendant de la chefferie. Donc, il n'y a rien. Il n'y a rien qu'on fait dans le fond. En même temps, et mieux. On dépose un ping. Apprends-nous à aller. Ça ne te plaît pas, non. Si tu n'es pas content, tu peux mettre ta tête sur le bouton, la voiture colle. Ça ne chauffe pas. C'est comme ça. Vous voyez comment ça va signaler. Vous voyez comment vous faites. Vous commencez à me signaler. Je suis ici en direct. Je fais mon direct tranquille. Je n'ai même pas beaucoup de partage. Je n'ai même pas beaucoup d'interactions. Mais vous commencez à me signaler. Voilà le direct qui tourne. C'est quoi? C'est quoi, vous? 77 j'aime sur 900 personnes. Mettez le nombre de j'aime. Sortez direct. Allez aimer le direct. Envoyez même les étoiles pour que ce qu'on me garde le direct. C'est quoi? Sécurisez le direct. Mais ce n'est pas possible. Vous me signalez pourquoi? J'ai dit que je ne vous cache pas, mais je ne quitte pas. Tatatana, tu peux retourner voir toutes les mouches. Les abeilles, j'ai dit que j'appelle les gens avec leur vrai nom maintenant. Les abeilles, tu vas les voir, Tatana. Tu leur dis qu'un archive, ils te donnent, tu mets tout. Je ne sais même pas partager pour toi. C'est que tu es bloqué sur l'autre page là, depuis qu'on se parle, je n'ai même pas débloqué. Vous êtes beaucoup de doigts débloqués, n'est pas débloqué. C'est que Tatana, je coupais ça, je mettais. Ça ne chauffe pas. Ça glisse. Vous voyez, femme à 20 ans, mais que c'est Dieu qui a fabriqué ça comme ça. Pas de lien de machin. C'est que tu vas les voir, ils te donnent tout ce qu'il faut, ma soeur. Chaque jour même que tu te lèves, tu me mets. Même à Rimbumble, tu me mets play. Les têtes caricatures. Tu reprends la photo de profil que tu m'avais mis à l'époque que tu as commencé à me clasher là. Tu me remets en profil, Tatana. Je suis assise dans ma cuisine de la gloire glorieuse. Je suis la femme terriblement mariée qui compte le demeuré et travail. Je suis la CEO de Meet and Love. Et rien ne va changer ça, Tatana. Tu as que parler ce que tu parlais là pour toi là-bas. Ça va mourir dans l'œuf. J'ai dit que ça va mourir dans l'œuf, ma soeur. Et pas absolument. Tega bout, tega salité. Me ra, me pignap chungona. Me ra, me jamais. Toyom, Tatana.
Bejek. Makon Bejek. Nore? Makon Bejek. Makon Bejek. Nore? Je ne descends pas. Ça va rester comme ça. Ceux qui ne veulent pas. Il y a des gens qui s'attendent que, oh, quand on pense à la reine, maman, vous vous désabonnez. Si je suis toujours prête à voir que les gens partent, les gens... Facebook, c'est comme le vent dans une plage, là, c'est comme c'est comme la rive, l'eau qui vient échouer sur la rive et tout ce que ça amène, tout ce que ça ramène. Parfois, ça amène quelque chose, ça met là sur la rive. Après, ça reprend encore, ça repart, juste que ça dépose de l'autre côté. C'est comme ça, Facebook, brûle, quatre. Ah, bah, bordé. Facebook, c'est les abonnés bordés. Donc, maintenant, Toyo. Ma con Benjek. Noré. Bonjour. Donc je ne vais pas entrer dans la voie avec toi, ma soeur. Tu vas rester là, ma soeur. Mais le cri, c'est ça qui me plaît. En fond sonore, tu veux revenir à ton ami. On n'abandonne pas son premier amour. Tu as beaucoup aimé ton ami là. Retourne voir ton ami. Dis que, Ngosa, tu m'as énervé sur ça. Donne-lui même les coups de poing. Vous faites la paix. La paix, oh, la paix, bien. La paix. Moi, elle est perdue, personne sur Facebook. Moi, tu crois? Elle n'est pas perdue, quelqu'un. Moi, je suis ici, et je suis là, et je suis pas là. Et on a même dit que je dois perdre sympathisant de Oula. Cadeau. Je t'ai fait cadeau même de ça. Hé. Maman, ça me paye la facture, ma. Oh, parle-le. Moi, quand même, bien, bijou, ma. Attends, phrase déclarative. Me sauve phrase. Bon, pour moi. Tu dis que quoi? Garde. Moi, que cadeau. Garde, maman. Si tu veux faire fruit, tu fais fruit. Si tu veux brûler, tu brûles. Si tu veux manger, tu manges. Tout ce que tu as dit que tu prends là. Prends. Tu m'aimes le bonus sur ça, tu pars avec ma soeur. Je n'aime pas dans la bouche. Ça va faire plaisir à certains adeptes qui aiment les machins tourner, les clashs par-ci par-là. Mais ça ne va rien changer dans ma vie. Parce qu'avec ou sans, la reine n'est plus fonction. Toujours égale à elle-même. Une femme authentique, droit dessus, c'est beau, comme à l'HB. Oh, ce qui est sûr, c'est ça. D'accord? Donc, ce que tu parles là, ce que tu. On m'a donné tellement de résumés de ce que tu as fait. On dit que tu as aussi pris partout, lavé, séché, avec les parties de bas de ceinture. Nous ne pouvons pas descendre là-bas, Tatana. Tu sais, c'est des mots qui m'ont fait tellement. J'ai tellement péché sur Facebook parce que j'ai eu affaire aux femmes que leur métier principal, c'est le bas de ceinture. J'ai tellement péché à déclarer cette chose. Moi, les gens de mon acabit, de mon pedigree, on n'est pas là-bas. Non, je ne suis pas là-bas, chérie. Tu apprends ça comme une injure, c'est la vérité. On ne peut pas ne pas vous dire la vérité. À un moment donné, il faut qu'on arrive à une table de concertation où on se dit les vérités. C'est la vérité, chérie. On va faire comment pour ne pas dire. C'est-à-dire que c'est ça que ma franchise fait en sorte que je sais que beaucoup de gens ne m'aiment pas et ça ne me dérange pas. Je ne suis pas ici pour chercher l'amour. J'ai dit que j'ai la famille. J'ai la famille. Qu'elle peut payer. Je ne suis pas dans les places que aller voir telle, faire les selfies avec elle. J'ai la famille. Je suis occupée à profiter du temps avec ma famille, à avoir du bon temps. Je n'ai pas le temps de tourner partout. C'est pour ça qu'on ne va pas me voir dans toutes sortes de choses. Si ça fait de ça une injure, insultez-moi. Des injures. Moi, je suis la femme qui partage les injures, qu'on l'insulte jusqu'au plus profond de je ne sais pas quoi. Je mets sur mon mur parce que je n'ai rien à faire. Ça ne change rien dans ma vie. Je suis au-dessus de tout ça. Je dis au-dessus de la mêlée. Est-ce que Tatana, tu m'entends même? Lance le direct, transcris-moi même dans ton mur là-bas. Je salue les abonnés qui suivent. Et rien ne me fait. Je dis que rien. Ma patronne. Ma cliente. Attends, j'ai quelqu'un qui m'appelle. Oui, ma chérie. Oui, ma chérie, comment tu vas? Ça a très bien été, et toi? Oh, super. Super. Non, je n'ai pas pu l'avoir aujourd'hui. Je crois que c'était un problème de connexion. C'est comme souvent en connexion, ça dérange là. Mais dès que je l'ai, même demain, je vais te dire, il n'y a pas de souci. C'est un problème de connexion parce qu'elle n'était pas ouverte aujourd'hui. Du tout. Oui. C'est ça. Parce que je l'appelle sur hasard. Mais je te reviens dès que je l'ai. Alors, je suis invitée à manger samedi. Tu as un programme? Oui, à quelle heure? Je suis invitée, manger. Si tu veux, on se retrouve là-bas et puis on fait aussi le zoom en même temps. Là où je suis invitée. Je vais parler avec la personne, je vais te reparler. Je vais te dire, je te rappelle. Je te rappelle. Non, pas en tout. Non. C'est simple.
Je te rappelle, ma chérie. Je te rappelle. D'accord, ma chérie. Je te rappelle alors. Ok. C'est pas les choses de Facebook. Hein. C'est des gens qui n'ont rien à voir avec eux. C'est les gens de la vie normale. Des bien gens. Voilà. Quand ça fait comme ça, ça me coupe même. Ouais, Seigneur. Vous aimez la vidéo, vous mettez j'aime. On fait une pause de j'aime. En ce moment dans la vidéo, parce que c'est en train de tourner dans le vide, j'ai 103 personnes qui ont dit qu'ils aiment. Tu aimes ou tu pars? Ça ne chauffe pas. On peut descendre à 400 maintenant, ça ne dérange pas. Sors de la vidéo, pause, tu mets j'aime, tu partages et tu reviens. On fait un tour. Parce que vraiment, c'est en train de tourner, ça saute, je parle, je ne sais même pas si tu m'entends. Je vais chercher un peu les commentaires. Mais je ne vais pas lire les commentaires, je vais un peu voir. Les commentaires sont là. Merci pour les étoiles. Merci beaucoup pour les étoiles, c'est très gentil, merci. Je viens de voir, j'ai pris les commentaires, je vois les étoiles, merci. Mais ça m'explique, ça ne me donne pas en haut le nombre d'étoiles. Merci pour les étoiles, ma chérie. Merci beaucoup. Donc, tu aimes, tu sors, tu aimes et tu reviens. On monte un peu les j'aime là. T'as côté, on monte les j'aime. C'est important parce que le direct est menacé. Moi, je ne sais pas, moi, je ne suis pas en train de clasher là. Je suis en train de faire ce que mon élite de méta me recommande et aime me voir faire. Mais je ne sais pas pourquoi je suis clashée. Vraiment. Bisous ma Carole Chou, ça c'est ma grande soeur d'amour. Ouais. Quelqu'un vient me dire que pardon, arrangez-vous. Ma chérie, je vais arranger comment quand je suis assise, je vais expliquer la vérité, m'insulte, bon maï. C'est toi qui dois voir comment tu vas aller demander d'où mes injures viennent. Ou ce que j'ai dit qui était mauvais ou que si j'ai menti. Puisque quand on m'insulte, on dit quand même que la mère de compresseur peut les asseoir. Ma chérie, j'ai fait ça quand. Voilà la question qu'on me pose. Pardon, arrangez-vous donc. Je vais me lever, cougnan, cougnan. Je n'ai rien fait, je suis insultée par-dessus tout. Et je m'avais demandé pour l'arrangement. C'est quoi ça? Je mens, je suis en train de tourner, c'est l'entente, je vais te bloquer. Attends, les gens que j'aime, je vais te comme ça. Je mens, tu vois qu'une femme qui dit la vérité comme moi peut venir mentir, que j'ai peur de vous, que vous allez me faire quoi. Attends, je te bloque. Je mens, tu vois qu'une femme qui dit la vérité comme moi peut venir mentir. Ok, vas-y, tu ne pourras plus me voir. Attends, les gens qui me font pécher, tu ne pourras plus me voir. Voilà, merci. Une femme qui vient dire la vérité, qui parle tout. Franchement, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux, viens dire la vérité. Donc moi, je vais venir, je vais taper la vérité et la personne va sortir, renchérisse dans sa vérité et maintenant, vous allez me dire que je mens. Je écris encore, je vois, je t'ai à bloquer. Tu pourras plus. C'est comme ça. Force tout, force tout moi. C'est sérieux. Anissa, la paix que vous dites, je vais vous expliquer. Est-ce que quelqu'un peut me donner la définition de la paix? Hein? Parce que quelqu'un peut me donner la définition de la paix. Pas vos paix intempestives, que les gens se voient, oui, on fait la paix. Je ne suis pas à l'école maternelle. Il y a une limite d'acceptation qu'on ne doit pas atteindre dans la vie. Et si quelque chose est monté en complot fouté et que je décide de venir dire sur la toile, ça ne fait pas de moi une méchante. Je dis, ça ne fait pas de moi une méchante. Mon bébé Coco, tu es au milieu de nous, ça nous fait mal, ça te met mal à l'aise. Même si t'es maman, lourde maman, même tout, moi je te prends, je te ferme, j'ai interdit qu'on te voit en bas. On a dit que je ne dois plus te voir, mon bébé. Je vais dire quoi ici? Mon bébé va seulement la suivre parce que tu sais que vous avez vos choses ensemble. Le jour que son cœur va baisser quand elle me voit, peut-être elle va venir me, ou elle va te laisser. Je n'ai pas de problème, mon bébé. Je te jure sur tout ce qui. Je ne peux pas discuter avec un être humain. Mon bébé, comme tu as écrit là, les paix que vous faites sur Facebook, tu vois quelqu'un faire la paix, après demain il braque sa caméra, on dit que tel qui a fait la paix encore en train de t'excuser. C'est ça que je refuse les paix. Vous avez vu la, comment on appelle notre soeur, la Rose, du 230. On m'a dit l'autre jour qu'elle a fait la paix. J'ai dit que ça reste là-bas. Ça reste que là-bas. Vous comprenez? Je ne suis pas énervé. Je ne veux pas que les gens viennent me calmer quand je suis en train de dire la vérité. C'est des choses comme ça qui m'énervent. Parce que c'est comme si vous êtes insensé. Soyez un peu des personnes raisonnables. Qui a tort sur ce problème-ci? C'est Nadège. Il faut le dire. On ne va pas dire que c'est parce qu'elle joue les titiens, fait un jeu de manipulation, je ne sais pas quoi, que vous voulez dire que. Que moi je vais aller. Non, je ne peux pas couper les chimes sur ce cas-ci parce que c'est Nadège qui a tort. J'ai vu sa feuille de route, j'ai vu la manipulation qu'elle a faite. Je suis venue vous déclarer au grand jour. Elle est sortie, elle a avoué. Elle a bien dit que la mère de compresseur peut les asseoir. Donc ça veut dire que je n'avais pas raison. Je n'avais pas tort, pardon. Donc, arrêtez ça. Arrêtez. Arrêtez. Elle pleure son ami. Et sinon, je ne peux même pas me moquer de toi, Tata Nara, que tu pleures, compresseur. C'était ton ami. Je ne suis pas dans ces paix intempestives. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Je n'ai rien dit. Je suis en train de vous dire que, ouais, je suis. Coco, pardon. Si ça t'embarrasse, mon bébé, je te jure sur tout ce qui m'est cher. Je te reverrai après, je connais ton cœur. Mon bébé, ça ne va rien changer sur ce que tu es, ce que tu représentes. Mais reste, fais quand même la volonté de ta grande soeur. Pour le moment, vous êtes à Paris ensemble. Et sinon, ici, si c'est chaud, et ça, c'est elle qui est là. Peut-être que tu restes d'abord avec elle. Non. Faut arrêter. Tatana, c'est toi qui as foutu la merde. Tatana, c'est toi qui as foutu la merde.
Je ne suis pas en train d'insulter Tatana. Quand tu vas écouter le direct du début à la fin, c'est Tatana qui m'insulte. Il faut aller dire ça chez Tatana. C'est ça qui dérange. Moi, je fais juste comprendre à Tatana que je ne vais pas l'insulter quand même insulter. Mais il est fait. C'est-à-dire que le mal est là, le mal est profond. Et la vérité blesse le sang, le coupable. Hier, j'ai dit juste la vérité à Tatana. J'ai juste dit la vérité à Tatana. Tata, Coco, tu ne soutiens même pas mes sangs, tu ne soutiens même pas Gruta. Tu nous as dit même que tu as les nudes de Gruta, tu as fait un poste, non, Coco? Est-ce que ça fait que je te rejette ou que je vais avoir un problème avec toi? Ce n'est pas forcé, Coco. Ce n'est pas forcé. Ouais! C'est quoi le problème? C'est Tatana qui a amené tout ça. Je vais faire comment pour vous expliquer? Je vais dessiner. Parce que tu as défini Tatana à organiser. Un clash qui n'a ni tête ni queue. Je fais comment? Vous nous aimez tous les deux, mais continuez à nous aimer indépendamment. On va faire comment? Si elle allait dans la boue avec, mais continuez à aller l'aimer là-bas dans sa boue, et vous venez m'aimer ici dans mon œil juste et ma vérité, on continue ainsi va me temps. On n'était pas comme si on a coupé, on a fait le pacte de sang. C'est ça. Franchement, faut, moi je vous dis, hein, si on arrive à un endroit où on est honnête et véridique avec nous-mêmes, surtout les vieux âges qu'on a déjà là, les vieilles ménopausées qu'on est là, maman va quoi être véridique? Où? Dans la tombe. Dans notre salon funéraire. Où? Hein? Dans la tombe ou dans notre salon funéraire. Moi, je dis, c'est Tatana qui a tout organisé. Pour faire mal à Compressor. Aujourd'hui, elle dit qu'on peut les asseoir. Donc, si on peut les asseoir, mais, pardon, vivement que la maman de Compressor soit informée. Et puis, on les assoit, on quitte sur le problème. Dites les vérités aux gens. Arrêtez de faire comme si, oui, calmez-vous avec... C'est Tatana. Et moi, j'ai vu qu'on faisait trop calmez-vous depuis une, deux semaines. Or que la personne même qui organisait là, c'est pour ça que j'ai dit que Tatana, j'ai tapé sec. J'assume. Ça ne me parle plus, ça ne change rien. Nous n'avons pas une amitié du genre, on se levait le matin, on se prenait des nouvelles. J'ai des gens que je cause tous les jours que Dieu a créé avec eux. J'ai des gens que je cause par semaine. J'ai des gens que je cause par mois. C'est écrit, c'est classé dans mon agenda. Il y a un mois, il n'y a pas eu quelqu'un, je vais appeler ce genre de personne. Et c'est des personnes qui j'ai à cœur, mais d'une façon. C'est-à-dire que j'ai ce genre de personnes. Tata ne fait pas partie des gens qui peuvent poser même après 3 mois. Je peux la voir en direct, elle peut venir dans mon direct, comme on est dans nos trucs de machin et tout, dans le Facebook, la Kataka, on est dedans, c'est tout. Mais je ne cause pas après que je l'appelle au quartier, non, ou que j'ai quelque chose, non. Ce n'est pas que je la détestais, c'est qu'on fonctionnait comme ça. Comme Tatana a dit dans son direct, là je vous suggère, vous qui êtes très proche d'elle, que si la mère de Compressor les assoit, ça va s'arranger. Vous gagnerez à aller toucher la mère de Compressor. Dire que maman, le problème, s'il peut finir si c'est toi qui appelles. La mère appelle Tatana, elle convoque ses deux enfants et puis c'est fini. Hein? Elle convoque ses deux enfants, c'est fini. Parce que même en supportant, me sent, Tatana n'a pas les odieux de Compressor. C'est pas ça. À quoi ça sert? Si c'était même pour les aide-moi à détester que vous dites là, ça allait pour rien. Ça allait pour rien. On se mange pour rien. Hein? Quelqu'un me dit quoi? Apparaît-il? Hein? Fais attention, ma sistou. Pourquoi tu appelles Tatana? Tout le monde l'appelle comme ça. C'est un nom. C'est pas ma grande. C'est peut-être même sa petite soeur. Pardon. Quelqu'un me dit que quoi? Fais attention. Attends. Quelqu'un dit que fais attention. Paraît-il que... Eh, madame! Il a affirmé qu'elle était dans son direct en FP. C'est quoi ça? Tu l'appelles? Non, c'est comme ça qu'on l'appelle partout ici. Mm-hmm. Le photo de l'acteur nigérien, quoi, Coco. Fais attention, ma sister. Paraît-il que tu sont en train de monter un coup sur toi. Aka! Aka, un coup de quoi? Depuis que j'étais chez Flore, je vous ai dit que j'appelle les noms. Flore, tout ce que. Que j'ai couché avec Coco, que toi, Aka, qui fait choquant. Qui fiche le camp, quand elle était partie chez Coco, on savait que c'est ça. C'est très humain revenu, c'est ça, se disait. Je m'en fous. Faites comme vous voulez. Mettez. Ça dit que hein, je m'attends à tout avec vous. Et oh Seigneur. Je dis qu'il n'y a pas quelque chose que je ne m'attends pas. Je ne sais pas si quelqu'un est tellement vacciné dans votre mode opérateur. C'est un classique. C'est un classique. C'est, il n'y a pas une autre façon de fonctionner que ça. Vous savez ma phrase fétiche, non, mambo de la tabé les wandali mode. Sa phrase ne peut pas changer. C'est parce qu'à un moment donné, quand tu sais que tu, autour de toi, tu t'attends, les vautours, ils vont te manger. On ne doit pas dire la vérité comment fleurir. C'est Tatana qui a tout organisé. Vous, comment vous pouvez expliquer que vous êtes dans un. Dans, vous êtes là. Moi, je suis sympathisant, même bien enlevé. Donc, je suis plus sympathisant. Là, tu que c'est interdit.
ou bien que ça me donnait quoi. Alors que tu me vois que mon oxygène est battu. Maman finit en voir bien que battu. Ça fait quoi? Ça change quoi? Que quelqu'un s'assoit en direct, il dit n'importe quoi. Franchement. Franchement, faut arrêter. Le fils de... Hey, il y a des messages bizarres. Le fils en formation. Non, laissez tata, laissez Coco avec sa soeur, tata, non, ils ont leurs choses. C'est normal, si elle a mis son fils là-bas, peut-être préfère que son fils soit dans une maison, il y a une maman qui peut préparer le soir, il mange. C'est correct, c'est correct. Moi, je dis, hein, Coco, ne te dérange pas, ma fille. C'est-à-dire que j'ai eu des beaux moments avec toi. Tu es une super belle personne. Il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas moi qui ai organisé, c'est Tatana. C'est Tatana. Donc, ne vous dérangez pas. Donc, Coco, ne te dérange pas. Donc, les messages que vous êtes en train de dire, oh, c'est ci, oh, c'est là, laissez ça. Laissez, je sais qu'elle lit les messages. Laissez. Laissez tout ça. Ça ne sert à rien. Tatana va aller dans la boue seule. Elle va m'insulter, aller et vous ne pouvez pas l'insulter. Je ne vais pas l'insulter, mais je m'attends à tout et n'importe quoi. Je dis à tout et n'importe quoi. Ça dit que même un montage de voix tourné que machin. Ma soeur de sang vient de me dire qu'on a dit qu'on va organiser quelque chose. C'est ma soeur de sang qui a écrit. C'est ma soeur, la fille là. C'est pas les choses qu'on parle. Elle est fan de compression depuis 12 ans ou 15 ans. Ma soeur là. C'est vrai que ça a pété qu'elle est venue ici. Parce qu'elle est fan de compression. C'est comme ça. C'est ma soeur. Je ne négocie pas. Je ne décide pas où ma soeur va. Vous comprenez quoi? J'ai entendu ce qu'on a dit que Black Beauty, quoi. Hey, c'est ma soeur. Je ne décide pas où elle va. Elle peut même revenir encore là où elle était. Rien à foutre. Rien à foutre, je vous dis bien. C'est ça. Tatana a un rôle qu'elle joue auprès de Coco pour garder les enfants. Garde-la, pardon. Pardon, ma fille. Moi, je suis là. Je suis dans mon cœur. Tu es dedans. Ne fais pas quelque chose qui va l'énerver. Un jour, je m'en joue. Tu comprends ce qu'elle t'a dit? Aïe, reste... Statu quo, ne te mets pas dedans parce que je ne suis pas en train de la clasher. Si je la clasher, tu vas dire que ma mère, tu fais ça comme ça, je fais alors comment? Je ne suis pas, je ne vais pas la clasher. Je dis bien, je ne vais pas la clasher, Nadège. Je ne vais pas entrer dans la boue avec elle. Ça, je le dis sincèrement. Sincèrement, je suis honnête avec vous. Franchement, il ne faut pas aimer les aides, moi, détester jusqu'à ce point. À la fin, nous avons suivi qu'elle veut la paix avec compression. Donc, que les femmes qui sont autour, les soeurs ou les proches, appelle la maman de compression et dit, maman, il y a une situation, c'est toi qu'on veut. D'accord? Vous comprenez, non? Et la maman va peut-être prendre son téléphone. Vous voyez, non? Et elle va appeler compression. Vous comprenez, non? Coco, tout est correct, c'est tatatana. Oui, Marve, tu es sur la toile depuis des années quand tu faisais ta danse. Et c'est qui? Elle est arrivée en trahissant Perpétu. Voilà, ça c'est ma soeur-ci, Marie-Noël, elle est aussi chez Perpétu. Donc, Coco, laisse mon bébé, ne ce n'est pas mal. Yako, mais reste avec Tatana, elle s'occupe bien des enfants. Toi-même, tu as bien gardé les enfants aussi, c'est la nièce ou c'est la petite-fille, tout ça. Vous avez des bons rapports. Je ne peux même pas me mettre au milieu de ça. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, je suis toujours une place. Je suis la seule qui a que le une place. Chez moi, là, le une place prend tout son sens. C'est vous qui n'avez pas compris le une place. Vous déclarez ça, une place, une place, une place. C'est le pipo. Chez moi, ça prend tout son sens. Je suis une place sur Meta. Ça ne chauffe pas. Mm-hmm. Ça ne chauffe pas. Coco, l'enfant va bien dormir. Elle va s'occuper. Je n'ai pas dit que c'était une méchante femme, une ceci. Elle va lui faire. Non. J'ai dit que je n'entre pas dans la boîte, Tatana. Tatana, fais la paix avec ta soeur, compris ça. Tu nous déposes. Tu nous déposes. Voici Précieuse ma douce qui me connaît depuis le jour 1 que je dansais d'abord que la team même de Précieuse ma douce précieuse, que les abeilles ont insulté jusqu'à un moment où on a dit que c'est même mon profil. Est-ce que c'est une place? Blonde Alice le sait. Les gens ont pleuré mon deuil. Ils disent que oh la mort, ils vont finir avec toi. Ils disent qu'attends, tu vas voir. Finir avec lui. Ils sont malades. On a un rendez-vous. Ça va pas, non? Oh, calme. J'espère que vous avez aimé les jeunes. C'est la danse, ma fille, elle ne va pas. Bravo, René, ne pas debout avec ta soeur, Tatana. Je n'en parle pas. Anissa, je te confirme.
Si tu me vois entrer, non, tu te désabonnes, tu quittes. Tu comprends Anissa? Je connais ce profil Anissa là. Non, je ne vais pas me mettre à insulter. Non, non, non. Je vais dire quoi? On a d'abord quoi même en commun? À l'époque, vous savez que Tata Naya est venue m'insulter par rapport à Flore. Parce qu'elle disait que tu exagères. Oui, c'était par rapport à Flore. Elle disait que tu exagères. Machin, ceci. Ceci, ça. Non, 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 non. Non. Je suis ta fille si tu es à besoin. Non, ça, c'est ma fille Corinne. Ça, c'est ma fille des États-Unis, Corinne. Je dis que j'ai les enfants jusqu'à. Ok. Oh. Qu'est-ce au pays, mes enfants, là, ça veut prendre ça. Même ici. Qu'est-ce que ça pour rien, ma mère. Comme ça, comme ça. Aïe. J'ai les enfants, hein. Et les grandes sœurs sur Meta, j'oublie mes grandes sœurs de valeur. Parlez de quoi? Je cherche quelqu'un. Eh, pardon, pardon, Tatana, garde, pour le moment, non. Mes statuts te ferment. Le jour que ton cœur va baisser et que la maman de compassion va t'asseoir et tu vas te sentir bien, tu peux m'appeler. Je suis là. On va se parler. J'aurai pas de problème. Parce que je n'ai pas de problème. Coucou, man africaine, Morène. Coucou, Morène. Laisse-nous, on sait tout depuis. Oui, précieux, c'est une ancienne. C'est une ancienne. J'ai dit que, hein, oh, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Donc, faut laisser. Faut laisser ça. Faut laisser ça. Rémi Bio, c'est bien de ne pas rentrer. Je peux pas. Sandy, je vous ai garanti. Vous savez que, hein, je suis une femme de parole. Même quand j'étais avec Flore, que j'étais dans mes réponses, ce n'était pas que je... Tout ce que j'ai dit, c'était la vérité. Je n'ai rien inventé sur Flore. Je n'ai pas pris que on m'informe, on te dit que oui, ceci, je pense, je dis, on va dire ça comme ça pour que ça donne un sens. Je ne cherchais pas les sens, les faits. J'étais dans l'heure juste et la vérité. J'ai démonté Flore lentement sur moi. Eh bien, ça ne chauffe pas. Et quand on, j'étais incomprise par beaucoup. Même Tatana m'a clashé parce qu'elle trouvait que j'exagérais. Et les gens mesurent le degré qu'ils vont faire les choses. Mais moi, je suis sortie hier. Je vous ai dit que là où le bas blesse, c'est le problème de compresseur. Et le aide-moi à détester, c'était contre le compresseur. Et Tatana est sortie hier. Ou c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a dit que c'était hier, dans la nuit en tout cas. Je ne sais pas. Quand je me suis levée le matin, on m'a donné le résumé. Elle a dit que si la seule personne qui peut la soirée compresseur, c'est la mère de compresseur. Donc ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Le cri du fond du cœur de Tatana, c'est qu'il faut que compresseur revienne avec elle. C'est normal. Elles étaient des sœurs. Elles étaient des sœurs. Franchement, si elle sort encore sur ce... Non, je ne... Écoute, je voulais seulement lui... Vous savez qu'on refresh, c'est quand quelqu'un dégame, il dégénère. Il se dit que bon, comme je suis sortie normale et elle a dégénéré, où j'en suis? Jamais. Moi que tout au bas. Moi que tout au bas. Moi que bas. D'accord? Donc, dites-lui, Tatana, quand vous l'aurez, que la reine meurt et vous a dit que c'est mort. Donc c'est ça, vous comprenez, non? Je suis une place, voilà, précieuse, mon bébé précieuse, moi il appelle tout mon bébé précieuse. Donc elle disait tout, okay. Non, bravo, de rien Anissa. Donc sachez que je ne vais pas répondre. J'ai dit que la vérité est à ta naranchérie, donc je n'ai pas menti. Si j'avais au moins menti, qu'est-ce que tu mens, j'avais dit que déjà je fouille de mon imagination, c'était la vérité. Et parce que j'ai étudié le problème dans tous ses sens, et c'était là où le bas blessait. Et je l'ai dit. Par rapport à ça, elle est sortie. Elle n'a même pas dormi de la nuit. Donc, voilà. L'amitié, vous savez, l'amitié, c'est précieux. Je vais vous parler de l'amitié. Il y a des gens que leur vie a un sens quand ils ont certains amis. Il y a des gens, quand ils perdent certains amis, leur vie fonctionne toujours, mais il y a des manquements. Ça fait vraiment un trou. Ou alors, ça les amène d'un voyage, un chemin de non-retour. Ça fait mal. Vous comprenez, non? Donc vraiment, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe avec le problème Tatana et compresseur. Moi, je dis si les gens l'aiment bien. Hé, ma Morène, beaucoup de courage, ma reine, mais tu es absolument belle, tenace. Bravo. Oui, je suis très tenace. C'est même mal me connaître. Persévérante et endurante. Je faisais des challenges ici. Je dansais 40 jours d'affilée. Quand ça me pique, je rase mes cheveux. Comme on le veut, dans son dit qu'elle est folle, elle est dépressée. Comment elle choisit de raser mes cheveux? Parce qu'elle dit que ben, les cheveux, là, servent à quoi? Je prends la tondeuse de mon mari, je l'ai. Et je fais ça même très souvent. Pas avoir le chapeau comme ça en bas, il y a un bas les cheveux qui est rasé. Oui, oui, ça me tente tout souvent. Je dis que rase tout, ça repousse encore. Vous comprenez? Mais les gens disent qu'elle est folle. Eh, je suis dans TikTok partout. Déclarée de folle, de je ne sais pas quoi. Mais pour dire vrai, non. Pour vous suivre sur Facebook, c'est la magie. Sandy. C'est mieux, ma sisto. Oui, ça, c'est ma soeur. Voilà ma soeur de sang. Ce n'est pas les choses qu'on parle. Quand elle va même à Paris, je ne la vois pas. Pour vous dire, je fais mon truc référent, je n'ai pas vu ma soeur.
Mais c'est ma soeur. On n'a pas de problème. Vous voulez quoi? Elles sont pleines comme ça sur Facebook. Franchement. Vous dites que quoi? Je t'invite à Genève. Pas de soucis. Bien d'avion à la pluie. Appelle-moi. On programme tout ça ici à Genève. Je vous ai dit que ma cliente a un événement le 10 février à Paris. Il faut que je me retrouve à Paris. Là. Donc, j'ai des fans. Ça dit qu'ils peuvent se fâcher. Ils peuvent même le billet là même en même temps. Tu n'as pas les fans ici. Elle va venir mettre ça ici. Elle s'est fâchée que la mettre. Tu as dit que Paris, voilà ça. On a besoin de faire le bruit. Pardon. C'est ça. Chacun a sa part. Zuckerberg, c'est après Dieu, c'est Zuckerberg. Il a fait que chacun a sa part. Même si tu es comment, tu as ta part dans ton coin. Oui, quand on le dit que ça ne soit pas pour dire que c'est. J'ai dit qu'une femme va venir dire que ma mère, voici ton pied, juste qu'elle ne peut pas parler. Parle de quoi? Quelqu'un dit quoi? Parlons matin, midi, soir de Meet and Love, comme Armand Chic et restons focus. Meet and Love, oui, bien sûr, on va faire des petites vidéos, comme on commence des capsules et tout. Oui, je suis charismatique, c'est vrai. C'est celui qui n'accepte pas ça, c'est mal, mais je suis très charismatique, c'est vrai. Je suis comme ça. C'est mieux, ma sister. Oui, ma sister. Ça, c'est ma grande soeur, parce qu'elle dit dans son direct que Coco n'est pas encore sorti sur toi. Et nous avons compris. Ah, non, si elle a seulement dit ça, non, il n'y a rien. Pardon. Je vous ai dit que Coco, franchement, moi je ne sais pas. Hein. Ah, on va l'attendre, non? Le jour où on me serait spectatrice, si elle dit que Coco va sortir sur moi, je ne sais pas comment elle va faire ça. La paix. Ce n'est pas le soutien ni les vrais qui manquent. Alors, on va parler maintenant de notre soeur Dorcas. En ce moment, je dis que même Dorcas est venue à la rescousse. Dorcas n'était pas contente aussi de ma sortie d'hier, il paraît. Madame Sœur, Dorcas. Moi, ce que je peux dire, c'est que Dorcas, de même comme Tatana, je ne vais pas descendre aussi dans la boue. Mais pour Dorcas, vous savez, je vous ai dit hier, elle est là-bas, ouais, elle est là. Laissez-la là-bas. Dorcas a parlé de monétisation. Donc, elle est en train de monétiser ça. Laissez-la prendre, utiliser, saisir toutes les occasions qui lui sont offertes. Donc, laissez-la saisir toutes les occasions qui lui sont offertes pour monétiser ses affaires, ses acquis et tout. Il n'y a pas de souci pour Dorcas. Donc, moi, je ne vais pas aussi m'arrêter pour dire que Dorcas, tu m'as incité, tu as dit ceci, que tu vas faire cela, je vais faire ceci, je vais faire cela. Je vais parler ta tête, je vais taper sur les nez de partout. Ouais, grosse tête pleine de sagesse. Oui, une place. Voilà, une place, mon bébé précieux. Ça, c'est mon bébé précieux. Voilà. Les lions marchent seuls, toujours. Voilà. Ma bio, tu as déjoué, bah, pas grave. Tu es très pragmatique. Oui. Tatana a un souci. Franchement, hein, si même compresseur, les gens qui lui parlent, dites-lui de la laisser. Et puis, parce que sa maman. Pas compresseur qui va payer sa maman, parce que compresseur est dur. Elle avait sa boum qui sont action-réaction, qui sont très très engagés. Donc, c'est vous là, comme ma soeur même qui est là, là. Vous appelez la maman, vous dites à maman qu'elle appelle Nadège et assois Nadège et compresseur, tout fini. Ça va stopper l'hémorragie. Elle s'en soutient à Messana. Elle sait que Messana tombe, il fallait qu'elle trouve une piste pour aller se positionner. Que quand compresseur et la gutta et ça m'élève les yeux, ils voient qu'il y a beaucoup de gens. Ils sont autour et puis comme Nadège et tous les gens qu'elle a mobilisé et puis ça fait quelque chose. On m'a dit qu'elle a cité le président. J'ai ri. Ouais, président Modiako. Je vois que c'est quelqu'un qui fait l'ignorance intentionnelle avec brio. J'ai dit que l'ignorance intentionnelle avec brio. Oui, mon bébé Corinne, ça je n'en doute pas, on se parle constamment, ma fille Corinne. Partout, même que sur le pays, voilà les gens qui n'ont pas appelé cause avec eux. Quelqu'un dit que tu m'as cherché, tu voulais me parler. Hey, ma soeur, pardon. Je connais les rencontres de Facebook carré. Tu as compris que tu étais venu, tu as fait comme ça, on va sur Facebook direct. Il a trop mangé le gâteau, il a mangé le ceci, le ceci, il a fait cela. Hé hé, la paix. Est-ce que quoi la gêne? Quoi c'est qui? Non, moi je dis seulement. Si les gens autour de Composant, pas appeler Composant, Composant, là, ouais, elle est bien. Elle est bien, elle a son équipe, ils ont mobilisé, elle a dit qu'elle est en guerre. Elle est en guerre contre Messan, elle est en guerre contre Tatana qui défend Messan. Mais, pour vous dire, si
quelqu'un appelle la maman de oui, les rencontres qui donnent le bois qui finissent en couille. Qui finissent en... Si quelqu'un appelle la maman de compétition et dit que maman, il y a un problème. On a une soeur qui souffre de la... C'est pas un crime, hein. C'est pas méchant. C'est pas une honte, c'est pas une moquerie. On peut être amis dans les problèmes. L'autre souffre plus de la séparation que l'autre. Moi, il ne me moque pas. C'était des amis. Voilà. Moi, je dis, je suggère à Capucine. Nadège déprime et compresseur et c'est inquiétant, il faut l'aider. Moi, je ne sais pas, je ne me moque pas, hein, mais elle peut me clasher, ça ne me dérange pas. Moi, je suis sincère quand je parle ce que je dis là. Des rencontres qui donnent le goût. Que chacune valorise son couple et le nom du président amortira tranquille. Ouais, maman. Donc, vous voulez dire que le président même, c'est notre président. Quand il ferme les vidéos, lui-même, il nous envoie nous mon poste. Ça ne chauffe pas. Nous, on aime son affaire. C'est un homme silencieux. Il n'est dans rien de vos choses là. Il est en dehors, il est au-dessus de la mêlée. Mais on veut le mélanger. Heureusement qu'il sait que même dans les mélanges, à nous, on sait qui il est. Dans les mélanges qu'on veut faire pour manipuler l'opinion, pour tourner, tout ça, ça fait partie. Tu vois, non, ça fait partie. Donc, non, on ne va pas céder là. Mon président, il reste mon président. On a refusé qu'il va nous recevoir, que c'est elle qui lui avait dit de ne pas recevoir. Ah, c'est elle là-bas, ces choses qu'elle dit. Moi, il ne peut pas entrer dedans, tata n'a pas ton. Pardon, il faut pardonner, tata, il faut pardonner ta grande, ce petit, ce pardon, tata. Pardonner. Voilà. Pardon. Pardon. On aura tout vu sur Meta. Hé, mon bébé précieux, tu parles de quoi? Quel choix encore nouveau ici? Très beau direct, avec joie, aucune haine. Merci beaucoup, Maureen. J'espère que tu as partagé, parce que c'est ça aussi. Voilà. Donc, partage. Il faut partager. Nadège souffre de la séparation de composition. Ça peut être vrai. Ça peut être très vrai. C'est pas méchant. C'est pas méchant. C'est normal. C'était son ami. Il faut arrêter ça. Apprenez à comprendre entre les lignes. Elle a dit que leur clasher est allé loin alors qu'elle était des sœurs. Oui, comme toutes sortes de choses. Souvent, tu dis même que je ne vais plus jamais parler, mais tu parles comme ça avec tes lèvres. Papa. Mais tu n'es pas Dieu. Si à un moment de Dieu, Dieu met une pierre pour attendre ton cœur, ce que tu as déclaré, tu peux revenir dessus. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Voilà. Vous comprenez, non? Ma reine m'est très éloquente. Oui, je suis une oratrice. Ne te dérange pas pour ça. Parle, quoi. Ok. Reine-mère, Nadège n'a pas dit qu'elle veut la paix avec Composition. Mais Nadège a dit que la seule personne qui peut l'asseoir, c'est la mère de Composition. C'est une piste. Ce que vous ne comprenez pas au-dessus. Quand vous comprenez quelque chose comme ça, ça veut dire qu'on peut. Il y a une piste de repartir. C'est-à-dire que j'aime, je partage. Merci beaucoup, Maureen, pour le partage. Merci, ma chérie. Merci. Ma bio, c'est un conteneur, un état d'esprit. Oui, terriblement. Sandy. Avec mes sangs et aller loin aussi, moins loin. Mais aujourd'hui, il démanque non. Voilà. Il allait jusqu'au tribunal, tout ça. Mais aujourd'hui, elle lui a fait. Vous voyez, la vie, en fait, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Les gens m'ont même dit que j'ai fait la paix avec Compresso. Je n'ai pas fait de paix avec Compresso. Je ne cause pas avec Compresso. Je fais la paix avec Compresso. N'est pas mon ami. Et je n'ai pas causé, je n'ai pas fait de paix avec Compresso. Donc, les gens qui viennent me dire que les gens sont en direct, là, ils te bloquer. Arrête tes conneries là. Tu as compris, partez où vous allez partir là, je suis brûlée. Regardez-moi ça. Tel en direct, ça me fait quoi? On t'a dit que je suis ici pour les dirais des gens. Non, bougez maintenant, bloquez-moi. Vous voulez même me faire pécher comme ça? Voilà, c'est ça. Donc, il ne faut pas venir écrire ta maman. Tel en direct, tandis que je suis ici pour les sensibles qui sont en direct. Pas vite là-bas. Ok, vous voulez? Je suis brûlée. Elles font des directs comme si elles faisaient du casting pour Game of Thrones. Elle m'a dit, voilà, c'est pourquoi elle dit que la seule personne qui peut arranger ce problème. Voilà, donc quand il y a une situation conflictuelle, je vous ai parlé, quand il y a entre les amis, même les enfants, les collègues, les choses, quand on dit déjà qu'il y a une personne qui peut arranger et que cette personne est existante, on peut passer par là aussi. Et puis si on arrange, mais la calmie revient pour tout le monde, parce que peut-être on souffre comme ça. Nous, on est en train d'essuyer maintenant un clash par une personne qu'on affectionnait et qu'on n'avait aucun problème avec elle. Vous voyez comment nous sommes au milieu de nulle part? Nous n'avons pas au casse. C'est-à-dire que si ce n'était pas que la terre se mélangeait, moi j'allais être au clashé. Pour la clasher, qu'on discute quoi? Vous voyez comment on se trouve au milieu de nulle part, qu'on ne sait même plus. Non, parce qu'on dit que la paix avec Compresseur, je vais quand même être clair. Il ne faut pas qu'on croit que je suis dans un jeu de manipulation. Je ne fais aucune paix avec Compresseur. D'accord? Marve, nous étions au salon Auch avec ta cliente et tu avais bien géré l'événement. Bon, soutiens ta cliente terriblement. Une grande femme. Okay. Ma cliente, okay. Parler de quoi? Quand même partout,
était, je vous ai déjà dit ça ici, fatiguée. Quand Patou n'était pas contente, quand ma cliente a déclaré dans le direct de monsieur qu'elle était le juge, que les attitudes de Patou, comme Patou était vraiment choqué dans le clash avec lui, ressemblaient à comment vous avez appelé ça? Vous avez dit que les attitudes de Patou ressemblent à, ou c'est de l'hystérie, ça relève de l'hystérie. Elle avait dit une phrase comme ça qui avait choqué Patou. Patou m'a appelé, dit que avait clashé, dit jamais. Et hey, l'autre, les messieurs, le tout là, Patou m'a écouté, j'étais bien content. J'ai dit que Patou, pardon. Elle était déjà à ton salon, oh, c'était ta, je te dis, ton commanditaire haut de gamme, ta gluta, machin, chouette. Pardon. Le tout là, Patou m'a écouté. Je n'ai jamais menti sur ça. Oui. Patou m'a écouté, m'a dit que ok. Puis c'était passé comme une lettre à la poste. Parce que Patou était remonté, que mais attends, il fait ses bêtises là, il monte la mascarade pour se passer pour, vous savez qu'il se passait pour aussi devenir peut-être celui qui porte la palme d'or de paix, le pacificateur de la toile. Hé, hey, Minari, Patou était fâché, avait raison. J'ai dit, Patou, pardon, Chicho, je t'en supplie, ne fais pas. Elle m'a écouté. Des fois, on n'écoute pas aussi parce que la rage est là, ok? Voilà, j'étais au salon où j'avais ma belle-sœur. Et ma belle-sœur a bien vu coach event. J'étais event planner de cet événement. Event planner, vous avez vu. Et Composo a le même comportement typique comme René Dieu. Elle n'accepte pas n'importe quel paix. Ah! Parce qu'en fait, je pense qu'il y a la limite de l'acceptation qu'on ne doit pas atteindre. On ne doit pas atteindre une limite dans certains. Anissé me dit, Reine Mère Biosor dans ça. Dans quoi, Anissé? Écris en des mots, ma chérie. Voilà. Vrai. Moi-même, je ne vais pas faire un direct et que les gens montent pour insulter. Je ne vais même pas faire un direct et que quelqu'un monte pour dire, oh, tu es ceci, toi, oh, je ne fais pas ce genre de direct. Même quand elle était en combat avec Flore, je ne fais pas le direct pour dire qu'on monte, mais elle avait moi-même propre. Tu dis que je sors dans ça, je sors dans quoi ma fille? Je sors encore dans quoi, Anissé? Faut arrêter, hein? Ne faites pas comme si c'est de mon côté, hein? La manivelle, c'est de l'autre bord, hein? Tourner le truc de l'autre bord, hein? C'est Tatana, le problème, c'est pas moi. Voilà. Donc, il faut pas faire comme si c'est moi. Mm-hmm. C'est à toi de voir ma bio, je te comprends. Oui, c'est qu'elle dit, c'est ça. Mm-hmm. Et qu'on peut ça. Voilà. C'est qu'elle dit, c'est ça. Voilà. Moi, je suis pas là pour dire que nanana. Tu n'as tué aucun membre de composition, ni toi, donc tu es libre de faire. Non, je vais juste dire que, parce que tu sais, il ne faut pas que les gens trouvent des excuses ou des alibis, ou essayent de justifier. Ça, il m'a fait passer pour une méchante. Oh, la Black Beauty, pas que la Black Beauty commente, oh, c'est chez qui, elle ne commente pas chez moi et tout. J'ai dit que voici mes soeurs. Elle, c'est ma belle soeur, il y a une belle soeur et une soeur. Ma soeur, elle n'a jamais commenté chez moi, même partagé. Et je compose son fan jusqu'à cause de composition chaque jour. Je vous dis, ma soeur, de sang. Ok, on a les mêmes grands-pères. Est-ce que tu comprends ce qu'elle te dit là? Est-ce que tu comprends ce qu'elle te dit là? On a les mêmes, ça veut dire qu'on est dans les mêmes familles là. Les mêmes grands-grands-grands-pères, arrière-grands-pères, les mêmes. Elle n'a jamais partagé les choses. Il n'y a pas de problème. Alors tu dis que Black Beauty, comment là-bas, ça veut dire que je suis haineuse. Et qui est Tatana? Ouais, pourquoi tu veux trop me peindre à moi? Tatana, la toile me connaît. On connaît mon mode opératoire. Toi, tu es assise par terre, moi, tu ne peux plus tomber. Reste-toi assise. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Composition n'est pas tué personne. Hein? Tu n'es tué aucun membre de composition, ni toi, ni voilà, c'est ça. C'est à toi de voir ma bio, je te comprends. Oui, tout à fait. Hein? Regarde, l'unique qui ne fait pas la danse bafia, tu es très direct et clair dans tes. Maman, c'est ça qui veut seulement me tuer. On voulait m'étouffer. Elle voulait m'étouffer. Désolée pour les gens qui ne te comprennent pas. Le niveau de français est très élevé. Elle devait être heureuse de vous soyez avec elle et profiter de vos connaissances. Malheureusement, elles n'ont rien compris. Nous avons pu. Du plaisir te suivre. Merci de ne lâcher jamais. La Guta, voici une femme de ton rang. Oui, oui, il est bien. Nous sommes les femmes d'un autre acabit. Et entre nous, nous, les, hein, les bobos. Voilà, ce trio. Merci à l'avocate Nathalie. Oui, voici une femme. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. Mm-hmm. Toujours rayonnante et bien posée, reine mère bio, sans agitation. Au calme, dis donc. Dans ma cuisine de la gloire glorieuse. Voilà, j'ai loué. Je ne prends pas la tête pour ça, ma bio. Pardon, ish. Ne te prends pas. Hey, je ne peux pas. Mave, bonne nuit. Demain, je vais travailler. Oui, va travailler. Reste toujours sage. Je sais que cette tempête va passer. Car nous, les followers, on souffre de vous voir en spectacle. Oui, il n'y a pas de souci. Ça va aller. Non, c'est vrai ce qu'elle dit. Ouh, oui, c'est ma soeur. Hein? C'est ma soeur. Ok, ma soeur est là. Oh, oh. Ouh, oui, c'est ma soeur. Tu as la pointe, ma bio. Je t'aime. Moi-même, oui, je suis. Maman, tango, hein? Hein, maman? Où les... ma soeur est là, ma grande soeur est là. Elle connaît. Chez nous, là, le sang. Ne tape pas, c'est en même temps mieux. On dit ce qui est, on donne des mots, on appelle chien chien, mais dans le respect, bien sûr. Donc, du coup, on va pas se laisser manipuler comme ça. Voilà. Et quant à Dorcas, laissez-la, elle est en monétisation. Dorcas en business. Dorcas,
Fais les directs, maman. Si j'ai l'occasion, je coupe, je poste même. Multiplie, lave-moi. Demande seulement, il y a des gens chez Flore là. Tu les demandes. Il y a Claude Akam. Ils sont là-bas pleins. Ils te donnent les archives. Dans TikTok même, tu trouves les choses. Tu reparles même. Tu mets comme ça. Regardez, une femme comme ça, tu me mets à côté. Qu'on a que me laver, tu parles. Tu vois, non? Donc, c'est ça. Ça ne dérange pas. Et c'est ça. Donc, tu me sites bien, mamiton. Tu me laves, tu me sèches, tu me rinces. C'est tout. Tu comprends, mamiton? Fais ton business. Monétisation, action. Ta page a tout. Tu vois la page que tu avais perdue, c'est revenu. On m'a dit que c'est revenu. Tu sais que j'ai bloqué la page là, donc je ne vois pas. Ouais. Ouais, c'est pas possible. Je dis qu'elle est glutin. Oh, je dis que je suis à Paris. Je suis à Paris. Il y a trop de choses en perspective. Je vous dis, je suis à Paris le 10 février. Babylon côté. Ça, c'est ma soeur. Ouais, mon gars, c'est depuis. Visolo. Bonne année, chérie. Mais ils t'ont eu commentaire. Ouais, maman, je t'ai pas appelé depuis. Mm-hmm. Ne te cogne pas avec ta soeur, blanc petit. Non! Ça peut pas arriver. Ça, c'est la famille. Je vous dis que c'est la famille. J'ai tellement les soeurs sur Facebook qui n'écrivent même pas. Ça peut pas arriver. Voilà. Vous comprenez donc? C'est un ordre. C'est toi qui dirige son contenu. Quelqu'un dit que quoi? Reste avec le lot, c'est toi. Ok. C'est un ordre. C'est toi qui dirige son contenu. Ah bah! Elle se cherche Dorcas. Non, laissez Dorcas. Dorcas, c'est un business. Les bien gens qui travaillent. Hey, maman, terriblement mariée. Mariée le feu, son maman. Qu'elle voit le man, non? La chienne de. Maman. Vous savez, non? Hey, maman. Vous n'avez pas me calme. Oh, mon mari. Mon mari. Mon mari. Mon mari. Ça, là, ça peut tuer. Ils vont dire, la femme est dans tout ça, elle est le mari. Maman, au calme. Hé, vous savez, le man. Il est debout comme il. Vous pouvez dire, ça me calme. Donc, vous allez seulement que parler. Vous allez que parler. Maman, terrible, ma mari. Maman. Marie le feu sort dans la cuisine de la gloire glorieuse. Maman, ouh, je dis qu'elle faisait ça, mon père. Chérie, tu veux la haute? Je dis oui. Pour avoir ça, pour installer, c'est tellement de choses. Je dis, chérie, je veux seulement. C'est seulement que j'ai ça. Donc, la maison est du coup devenue, oh, maman, oh, je dis que, ouh, c'est venu comme les maisons de ma carte. Oh là 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 là. Le goût de ça. Mm-hmm. Chacun choisit comment il veut faire sa vie. Chacun choisit la trajectoire qu'il veut donner. Moi, je respecte les choix et les positions des autres. Et voilà quoi. Donc, ma yamseur, mes deux yamseurs, Tatana et Nadé et Dorcas, pardon. Peut-être même 700 directs, 1000 directs, je ne vais pas entrer dans la bouche, je suis désolée. Donc, c'est ça. Quant à ma fille, Coco, prends ton mal en patience, c'est correct, ça va aller, c'est pas grave. On va, voilà, c'est tout. Et ma cliente, pour ce qui est de ma cliente, la Gluta, la Gluta Boss, la Gluta Cosmétique. Et la grande dame qui était au salon gauche, qui a fait honneur à Patou, qui était vraiment une commanditaire vraiment de haut calibre. Oui, la Gluta Cosmétique, je suis ton avocate. Les dossiers que tu m'as donné, je t'étiquette. Je travaille nuit et jour sur les dossiers. C'est costaud. Les homologues de la Suisse et de l'Allemagne, pour les plaintes, des logements, des vies pas très déclarées, mariées, pas mariées, toutes ces affaires-là. Ils m'ont contacté et je me penche là-dessus. Avant d'arriver à Paris, comme on sera le 10 février sur les Champs-Élysées, je vais te faire tous les rapports, quoi. Je te remets le portefeuille en main, voilà, pour la plaidoirie, quoi. Il n'y a pas de souci. Je suis en train de travailler. Mon cabinet est actif en ce moment pour ce dossier, mon avocate. Donc, ne t'en fais pas. La jurisprudence de notre dossier, je suis l'exemple même typique de la jurisprudence. Donc, il n'y a pas de souci. C'est lentement, sûrement et bien. Dans un français limpide, on va y arriver. C'est sûr que ça dérange. Mon adversaire, ça dérange les avocats adverses, mais je peux rien faire. L'avocate adverse est vraiment tombée, elle est très choquée, elle est remontée, mais je peux rien faire. Elle m'a déjà traité de tous les noms, mais je peux rien faire. Ma cliente ne te dérange pas, hein. J'ai choisi de te défendre en âme et conscience. C'est parce que ton histoire me parle. Et aujourd'hui, tu es ma CCC, donc cliente, copine, chou, et... Franchement, comparativement à ce que les gens pensent, c'est pour venir prendre la place de compétition. Je ne prends pas la place des gens. C'est pour venir gratter quoi? Non, je ne suis pas comme ça. Voilà, Dieu m'a aussi fait grâce. Je suis quand même assise. Terriblement assise. Oh, vraiment. Donc, me penser comme ça, c'est pas la peine de vociférer tout ce que vous dites là. C'est du réchauffé. Hein. On connaît les qui sont là pour prendre quoi aux gens. Moi, je ne suis pas comme ça. Voilà. Et tu es ma cliente. Copine, chou. Et je sais que le juge a parlé d'un conflit d'intérêts parce que comme tu deviens copine, ça change toute la donne. Et du coup,
Je sais que ça va être difficile, je sais que ça va être très très difficile. Mais j'ai dit au juge que je gardais le dossier pareil parce que quand j'ai soumis le dossier à la cour pénale Facebook Castle International, je soutiens ce dossier en tout cas, de fond en comble. Alors rendez-vous à Paris le 10 février sur les Champs-Élysées avec l'événement La vente privée de notre Glutta Cosmétique. Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Elle travaille bec et ongles, d'arrache-pied. Amélie. Oh là là. Je m'étais ici parce qu'elle avait trop parlé. Elle a dit que la paix. Vous comprenez, non? Amélie. Et en passant, ma tante et la copine d'Amélie. Vous voyez comment les choses se font? Ma tante et la copine d'Amélie. Vous voyez comment le monde est un genre. La copine, hein? Je t'ai dit. Elle m'a donné l'histoire même de ma glutta, je ne savais pas. Mais quand elle est au salon de coiffure, elle faisait des ongles et puis elle est partie maintenant dans les cosmétiques. Voilà, petit résumé. Je m'arrête là. Elle m'a demandé, mais qu'est-ce que Amélie fait là-bas dedans? Comme moi, comment je faisais pour être dans les fleurs de l'île et tout ça? Hé, la paix. Oui, tête bien pleine. Ouf. Oh, la paix. Je dis que je n'ai pas choisi petite copine. Hein. Maman, elle dit que ma tante fait salon de coiffure, onglerie et puis maintenant en cosmétique. Glutta, je connais. Oh, la paix. Oui, mon dossier, c'est-à-dire que je suis à Paris. Oui, pas trop de toi-boy. J'aurai la chance de te voir le 10 février. J'aime ton affaire très posée. Oui, le 10 février, oh là là, je viens avec tout le dossier. J'ai déjà commencé. Moi, il y a ma tonton valise. Tu vois la valise que les avocats tirent comme ça là. Moi, que valise avec la roue. Dossier en bout. Le dossier part du Cameroun, ça part en Suisse, ça part en Allemagne. Les homologues m'appellent de partout. Moi, que ta valise, moi, son valise, je dis, quand on parle. Je suis là le 10 février. C'est comme ça. C'est tout ça. C'est comme ça que ainsi va Meta. C'est comme ça que Facebook fait les choses. Voilà. Qui sait? Peut-être qu'il fallait pas que ça. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai suivi ce direct pendant 1h30 minutes. J'ai pris 1h27. Je me souviens de ce direct. Je montre ça à mes internautes. Si vous avez le temps, vous partez suivre. Moi, je ne suis pas une personne qui tombe de d'en haut, qui vient se passer. Même l'abonnement sur la page. Je ne sais pas si je suis bien abonné. Attendez. Est-ce que vous parlez ce que vous parlez là? Je connais. Hé, hey, maman. Attendez. Voici la page. Glutta. Voilà. J'aime déjà. Voilà, ça dit que j'ai déjà aimé. Attendez. Voilà. Le direct, j'espère, je ne sais pas si c'était sur ce mur. Attendez. Je cherche le direct qui a fait bim, qui m'a réveillé dans mon sommeil. Parce que c'est celui-ci. Il y avait le diamant sur sa tête. Attends. Oui, je crois que c'est ça. Attendez, c'est 1h combien? Attendez, je vais vous dire. Parce que ce direct, là, il ne peut jamais. 1h21 minutes. Voilà. Avec le diamant sur sa tête. J'ai suivi ce direct de fond en comble. 1h21 minutes. Quand j'ai fini le direct. Et la date, s'il vous plaît. Vous savez que tout est écrit dans ce méta. 11 janvier. 11 janvier. Je me suis déclarée. Ça, je me suis connectée. J'ai dit, je soutiens Glutta. J'ai dit, je soutiens Glutta aujourd'hui, demain, après-demain. Ok, il y a longtemps. Hein. Et je l'appelais Glutta Johnson. Et Glutta. J'avais deux noms. Glutta Chose. Quelqu'un peut me dire que. Quand tu l'appelles Glutta, je dis que pourquoi. Je l'appelais quoi? Et ça, c'est obligé d'appeler le nom que vous appelez. J'appelle ce que je veux, chose. Glutta Johnson. Je l'appelais Glutta Johnson. Pourtant, je sais qu'elle fait les compléments alimentaires que j'ai vendus ici des années. J'ai travaillé à Visalu, j'ai travaillé avec l'entreprise américaine. Vous savez, je vous vendais des compléments, je vous vendais des produits, les chlorophylles, tout ça, pour nettoyer le sang et tout. Toutes ces affaires-là, je vendais tout ça. Les choses étaient. Je vous ai vendu le collagène marin. Le collagène marin de l'entreprise de ma soeur Sorel. Voilà. J'ai fait tellement de choses. Donc, ce qu'elle fait, c'est les mêmes choses. C'est pas sorcier, là. Et moi, je me disais qu'elle vend le lait de Johnson. Je disais que Glutta Johnson. Franchement, vous avez la chance d'avoir des bien gens comme toi, comme moi, c'est là. Et voilà. Je dis maintenant que je supporte, ça devient un problème jusqu'à ce qu'on organise tout pour me clasher. Hein? On va me traiter de menteur, c'est un nouveau traitement. Quand tu me vois là, tu vois la cuisine, tu sais combien elle est évaluée en 1 000 $? Tu peux être menteur avec une cuisine comme ça. Les filles qui ne sont pas menteurs, elles ont ça? Elles n'ont pas le T1 serré là? Que le haut est comme crasse, que pour qu'il ait un chimique. Vous finissez là, tchèm tolène qui chimique. Je suis mendiante. Avec quoi? Le frigo est là. Ok, vous croyez que c'est parti? Le gars avait dit que le frigo. Voilà le frigo. Le frigo est là. Oui, le frigo, oui. Quelqu'un a même dit que je n'ai pas payé, on a pris. Ah, le frigo, oui. Vous êtes sérieux? C'est pas le frigo, ça? Quand elle tape comme ça, les photos ne défilent pas quand je veux. Hein? Est-ce qu'on a les mêmes choses? Le frigo est parti. Je n'ai pas payé, on est venu prendre. Parce que vous aimez toujours mettre les gens au même niveau. Là où vous êtes. On n'est pas au même niveau. On n'a pas les mêmes vies. Pardon. Tchop. Tu
je vous en supplie. Insultez-moi seulement, mais restez là-bas avec le tout aussi. Je ne suis plus là-bas. Je ne suis plus. Ce n'est pas parce qu'elle parle là. C'est que j'appelle tout le monde avec son prénom. Je vous dis ça ici. J'appelle tout le monde avec son prénom. Vous allez faire quoi? Je ne suis plus là. Je dis que je ne suis plus là. Le frigo de la gloire, la cuisine est là. Vous n'avez pas vu. Vous voyez avec quoi? Voilà ça. Tout est placé. Vous grillez un kishiné. Vous tombez. Vous grandissez le cabot de l'inquiétude. Même si on fait 17 vies, on meurt aujourd'hui, on revient, on meurt. Il faut tout simplement de trouver un mari blanc. À là où elles sont rendues là. Un mari blanc très très riche. Très très riche pour avoir ça. Parce qu'elle seule, s'il faut qu'elle travaille pour faire ça compliqué. D'accord? Ce n'est pas une injure, c'est la vérité. On va dire ça comment? Est-ce que c'est une insulte? Vous venez me parler de quoi? Je ne peux pas. J'ai dit que Tatana, tu vas seulement m'insulter, ma soeur. C'est même pas un problème. Tu vas me dire, toi, mais c'est juste qu'elle est fatiguée. Je ne veux même pas te répondre, Tatana. Je te jure. Tu vas seulement te ridiculiser en le faisant. Mais la vérité blesse, le sang ne coule pas. Le sang ne coule pas. Maman, on a dit que je suis mariée avec le frigo. Vous n'avez pas suivi ça. J'étais mariée avec le frigo. Elle est mariée avec son frigo. La rose du 237, elle l'a avec. J'ai une très belle cuisine, oui, oui. C'est comme ça. C'est ça. Le seul frigo, oui. Et c'est parce que ces filles m'ont tellement insultée. On m'a traité de tout que je me suis levée à ma tête et qu'un. Elles savent même quand je rentre, je sortais du travail. Je dis, elles savent quand je rentre du travail ce que je vois. Parce que même ce que tu vois, la projection de ce que tu vois, ça peut te donner la bonne humeur. Tu as juste envie de faire un thé. Vous voyez, je suis en train de brûler mes huiles. Vous voyez, non, mes huiles, comment j'appelle ça? Mes huiles, c'est les huiles que j'ai achetées au Maroc. Vous savez, les comment on appelle? Les trucs du Moyen-Orient, là, les belles senteurs qu'on brûle, un peu une petite bougie, tout ça. Seulement ça, là, ça fait ta maison lambda. Oui, oui, oui. C'est un peu ça. Notre joli frigo. Oui, même mon africain Morena a raté les frigos aussi. Frigo. Oh, comment on appelle ça? Au débit. Frigo. Haute définition. Oh, oui, ma Morena, ça. Ça, c'est tout le monde. Tu peux aussi partir pour vous mettre. Non. D'abord, il n'y a pas l'espace pour poser ça. Mais m'insulter pour rien. Est-ce qu'on est même chose? Pardon. Oui, les huiles essentielles, mais du Maroc. J'en ai pas mal. J'ai plein dans mon vaisselier, là. Je mets souvent, je brûle tes gens. Je brûle. J'ai même des petits carrés comme ça. J'adore. Quand tu rentres la maison, sans bon, c'est même dans la toilette, un peu partout, je brûle. Voilà, je mets les petites bougies rondelles là, ça va tranquillement. Pour éviter les incendies, hein, je ne veux pas les choses aussi. Voilà, je mets comme ça, même si l'enfant peut allumer sans problème. Et puis, l'huile est dans ce petit plateau, c'est chaud. Et puis, ça fond et ça diffuse. Voilà. Je suis un tout petit. Mon tout petit est où? Il est sur le comptoir. Je le mets aussi sur le petit. Moi, j'allume les deux. Quand je finis de cuisiner, j'allume deux, trois partout. Et puis, c'est ça. Oui, oui, frigo star. Quelqu'un m'a dit que, oh, elle n'a pas payé le frigo. Et on est venu plein. J'ai dit que, ouais, papa, comment tu peux faire ça? Tu crois que mon mari peut me faire subir ça? Que le frigo, ah, je vide avec et puis ça part. Mon chéri Coco. Hey, quelque chose, je veux la cuisine. Je veux qu'au milieu, non. Au lieu que c'est l'évier, non. Comment on prépare qu'au milieu? Pendant que tu ne peux pas, non. Tu regardes dehors les gens qui arrivent. Ton style me capte, non. Les fenêtres sont ouvertes. Tu regardes, bonjour. Quand les gens devraient, tu allumes partout, partout. Je veux des choses comme ça. Attends. Hi! Je vois mon cala. Oh, on veut me parler. Pardon, mes soeurs. Pardon. Pardon. Faut pardonner. Je vous demande pardon. Ouais. Je sais que j'ai dit la vérité. Pardon. Ça vous a trop choqué. Pardon. C'était seulement la vérité. Anna, c'était la vérité. Je vais faire comment? Lui, senteur purifiant. T'as un nom là. J'ai même l'autre que je brûle, qui est l'encens en feuille là. Ça aussi, c'est très bon, je te dis. La seule que je suis. Voilà. La seule que je suis sur ces réseaux. Tu connais ma soeur. Dieu t'a donné et tu restes droite dans tes bottes. Ton mari doit être heureux d'avoir une femme comme toi. Pour celle qui te critique, c'est une bande de jalouses et elles n'ont rien compris. Tes prises de position seules devraient leur servir de leçon. À savoir que personne ne te fait chanter et seul le respect vous lie. Oui, 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 c'est qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Toujours un réel plaisir de te suivre. Merci beaucoup, ma chérie. J'espère que tu as partagé. Ça, c'est le partage qui nous propose ce pardon. Il faut partager. Parce que la page veut se réveiller. Là, si vous ne partagez pas, ça ne va pas bouger. Kota, mon tonton t'aime. C'est qui ça? Nadège dit que Kota, mon tonton t'aime. Quel tonton? Hein, Nadège? C'est quel tonton? Lui, senteur purifiant. Oh, ouais. C'est ça. C'est très bon. Hein? J'ai toutes les qualités. J'ai acheté au Maroc dernièrement. Je vais encore appeler ma belle-sœur pour me trouver encore ça. Oh, ouais, quand j'étais au Maroc dernièrement. Me trouver tout ce qu'elle trouve qui est bon. Quand je reste, j'allume ça. Oh, tu ouvres. Parfois, je suis au travail, je veux rentrer. Si ma grande fille est là, je dis, laisse, allume-moi ça. Ou Livna. Mais Livna ne rentre pas avant moi. Donc, je dis, allume-moi ça. Quand j'ouvre la porte comme ça, prends l'odeur, ça fait du bien.
C'est apaisant. Faisons-nous des petites choses. Aujourd'hui, je n'ai pas fait le thé, mais si tu fais ton thé, tu te fais du bien. Voilà. La sœur, oui. Bisous, bisous. Hein. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais donner 5 minutes pour des questions. Parce que je ne sais pas. Je sais que vous vous attendez à autre chose, mais malheureusement, je déçois beaucoup. Je sais. Je sais. Mais tu es solaire. Ah oui? Je suis solaire, ça veut dire quoi, maman? Tu es solaire. C'est profond, ça, solaire. Ça se dit, c'est une expression. Ça veut dire quoi, Nick? Ton nom est fort, hein? Nick. Je ne peux pas lire ça. Ce que me va censurer mon direct. Yo! Changez même vos noms, non? Yesh. Oui, ton nom est fort. Hein. Je donne 5 minutes pour les questions, pardon. Et puis je vais partir. Je sais que vous avez beaucoup de questions. Pas d'insultes, vous voyez, non. Un direct pur. Pas d'insultes, ma coco. Je ne veux pas. Allez-y, faire ça dans les teams respectives. Coucou, ma chérie, comment tu vas? Le 19 février, à quel événement? C'est pas le 10. Ok. L'habitat a changé. Attendez, je vais sur le mur de ma cliente. C'est pas le 10. Attendez. Abonnez-vous sur le mur de ma cliente, hein, parce que on passe au monde des affaires, on n'a plus le temps à perdre. Attendez. Ma cliente, c'est quand? Vente. Attends. Vente. 10 février, tu dis 19. C'est le 10, ma chérie. C'est le 10 février. Aux Champs-Élysées, à l'hôtel Napoléon. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Hôtel Napoléon. Message qui est injuste. Maman, je dis que. Est-ce qu'il y a les questions là? Posez les questions en direct parce qu'il ne veut pas que vous entrez ici pour insulter les gens. Pardon, les sommes insultent. Je suis à immuniser. Ça ne dérange pas. Ça peut même pas. Ma patronne dit. Ma cliente dit que c'est le 10 février. C'est 10 février 2024. La vente privée. Ambiance conviviale, les places sont limitées. Alors, il faut réserver très, très vite. Voilà, contactez-la. Je serai présente pour une autre photo, comme la dernière fois. Ok, ma chérie. Hé, hey, Béatrice, on avait fait des belles photos. Oui, je me rappelle, ma chérie. Ah oui, ça, c'est les fans. Là. On va faire encore la photo, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça. On sera là. On sera là le 10 février à Paris, sans faute. Donc, voilà. Merci pour les partages. Je dis, vous avez vraiment partagé en masse. C'est très gentil. Vous savez, c'est ça. Hein, c'est ça qui propulse les gens qui font les vidéos comme nous. C'est vos partages. Et vraiment, sans ça, on n'est rien. Hein, vous savez. Sans ça, on ne bouge même pas d'un iota. Donc, vos partages. Donc, merci pour les partages. Franchement. 152 partages, c'est parfait. 179 interactions, c'est parfait. Merci beaucoup. Oui, il faut réserver les places, s'il te plaît. Faut réserver. Faut parler à ma cliente. Faut réserver. Oui, vous appelez, vous contactez ma cliente, vous réservez, s'il vous plaît. Mm-hmm. Parce que les places sont limitées, en fait. Je pense que ça ouvre de 11h. C'est pas quelque chose de la nuit, hein. De 11h à peut-être 18 ou 19h, quelque chose comme ça. Ça dure peut-être 7 ou 8 heures de temps. Mm-hmm. C'est en après-midi, avant midi, on accueille, cosy, machin, petit drink, tout ça. Je pense que ça va être quelque chose dans ce genre d'ambiance, vraiment, voilà, c'est un peu ça. Donc, il faut réserver, ouais, il faut réserver. Et puis après, ben écoute, on peut faire tour de ville de Paris, hein, voilà. Donc, il faut réserver. La reine mes bio, hé, hey, maman, mes fans, pardon. Soutenons ce qui est bien, moi, je ne suis plus dans les choses, je n'ai pas le temps. Ma natte bénie d'amour, ah, mon bébé, elle vient d'arriver. Elle a une natte bénie, là, on a dit que c'était mon profil avant. Non, c'est sans réservation. Ah, d'accord. Ok, mais les places sont limitées, c'est ce qu'elle a écrit sur le message, je viens de lire. Donc, ça veut dire que si les places... Donc, en fait, peut-être c'est une façon de dire que venez un peu plus tôt, hein, Jean Lapin. Venez un peu plus tôt, peut-être, c'est ce que ça veut dire. Merci pour les partages, 26 partages, merci beaucoup, ma chérie. Tu as même mis les étoiles, merci beaucoup, Béatrice, c'est gentil.
Donc, voilà. Vraiment, on va essayer de travailler à vous donner une toile, à assainir la toile d'une façon plus, voilà. Mais dans l'heure juste et la vérité. Et même si ça offense, ben, on va demander pardon. Donc, ça offense, les gens ont mal, ben, on leur dit pardon. Mais ce n'est pas le but. Le but recherché, ce n'est pas de noyer la personne en tant que telle. Donc, franchement, je pense qu'avec du recul, la personne comprendra. Vous savez, il y a toujours un moment pour mieux comprendre ce qui est. Quand c'est tu, le feu de l'action, c'est un peu, ça donne la rage et tout. Mais avec du recul, tu finis par dire, bon, ok, perfection, faites-le, c'est bon. Même puis au top, les jaloux, ok, moi, je serai à 10h. Je serai là à 10h. Ah bon? Waouh! Ok, mais elle a parlé de 11h, non? En tout cas, Jean Lapet dit que c'est sans réserve. Mais vous pouvez lui écrire, hein? Vous pouvez écrire à ma cliente, voilà. Oui. On va faire un selfie, ma chérie Béatrice. On va faire un beau selfie. Donc, c'est ça. Vous n'avez pas de questions. Vous voyez, c'est parce que c'est limpide. J'explique bien. Franchement, je m'assure que vous me comprenez et qu'on se comprend. Donc, quand on finit, on est correct. Il n'y a pas de questions. Formelles, informelles, les questions, vous n'en avez pas. Vous voyez, non, vous n'en avez pas. OK? C'est bon. C'est correct. Donc, moi, je vais juste vous dire, si vous avez l'occasion, vous dites juste aux personnes que je ne suis pas dans ça. Ça commence à 11h, voilà. Ouais, ok, voilà la femme. La femme, tu as une question. La femme est... Oh, avec son syndicat, le Congo, ça. La femme fait son continu au travail. Ils sont un peu... Tu sens que la femme a développé. C'est-à-dire qu'ils sont un peu comment. Parfois, ils vont mettre dans son syndicat là. Il part d'abord. Il met mieux. Il part d'abord. Après, il revient. C'est comme il est là. Le Japon. Mais le match, la canne n'est rien. C'est-à-dire que le Japon, c'est le Japon qui est au-dessus de tout. Qu'est-ce que c'est ça? Et ces nouvelles choses là. Eh, la canne n'est rien. Le Japon est au-dessus de tout. Qui a dit quoi? Qui répond quoi? Et puis les pages pour maintenant poupées. Oui. Comme ça, elle a répondu comme ça. On l'a chassé. Quelqu'un a écrit là-bas, il n'y a pas de conseil. On l'a chassé dans le quoi. Les commentaires de ça. Oh, j'ai dit qu'on me lave par tes pas. On a dit que, c'est comme si on parlait de quelqu'un de dire, il me tag, Reine Mère Dieu, il me tag dans les pages. La Reine Mère Dieu, on a fait comme ça. Oh, la star de l'heure. Maman, il m'est devenu star. Paris, j'arrive. Non, c'est la magie. La femme de Congo, ça. Il dit qu'il a une question. Attendons sa question. Les questions de la femme. Attendons la question de la femme. On va un peu rester pour attendre. La femme en train d'écrire. Oh! Vous ne connaissez pas ces questions. Hein? Et il fait comme s'il s'interroge. Oui. Il fait comme s'il s'interroge. Oui. Les boss lady viennent assises dans la cuisine de la gloire glorieuse. Ça ne chauffe pas, ça ne ment pas. Voilà. Et puis je réponds calmement. Je souhaite que les parties se calment et qu'elles digèrent, voilà. La vérité blesse, mais le sang ne coule pas. Je peux rien faire. C'est juste que c'est la vérité, en fait. C'est comme... On dit souvent que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais quand on commence à dégénérer pour insulter les gens, c'est mieux de sortir, de t'expliquer. Voilà. Ça a donné ce que ça a donné, mais it is what it is. On va vivre avec, comprenez? Changer là, c'est comme je suis toujours avec moi là, l'épouse de mon mari, la maman de mes filles, et voilà, je suis tout simplement avec moi quoi. Voilà, ça ne change pas. Merci pour les cœurs, Béatrice, merci ma chérie, merci beaucoup. Et merci. Donc voilà, donc ne tremblez pas, ça va aller, il n'y a pas de souci. La femme, c'est comment tu veux m'embrouiller pas alors, moi je vais quitter ici. La femme, elle. Femme, c'est un cas. La femme vient se marrer des choses, des bas de ceinture. Vous m'avez fait, j'ai tellement péché que des fois je me vois dans un direct que ça qui parle, je dis que, oh mon garçon, je dis, ah, ouloulouloulou. Marie-Christine, je te salue, merci pour les cœurs beauté. Que Dieu, merci beaucoup. Que l'amour abonde ta vie, hoha. Non, je dis que souvent, hein, tu regardes une vidéo, tu vois que tu as parlé des choses, tu dis que, ta bouche comme ça, tu sais, c'est vrai que je parlais comme ça. Oui, la paix. Donc, c'est ça. En tout cas, donc, mamie, attends, ça c'est ma fille chérie.
Oui, mamie, j'avais vu ton frigo chez Maureen. J'ai eu mal au cœur. Je lui ai dit que c'est seulement pour toi. Hé, hey, qui est mon bébé? C'est au magasin, il faut que le monsieur vende. Il doit même créer l'autre, que l'écran va même sortir sur le plafond, même un tour. Ça, c'est ma belle-sœur, chérie. Merci pour les cœurs beautés. Bravo, merci pour le bravo. Lui, il doit créer l'autre, même que ça sorte au plafond, dis donc. Ne fatigue pas les gens. Ok. Ouais, mon bébé dit qu'elle a eu mal. Non, écoute, c'est au magasin, c'est beaucoup, beaucoup. Il y a encore des nouveaux qui viennent de sortir, la grandeur de l'écran, hein, c'est la magie. Mais quand même, les gros écrans, même, tu peux regarder carrément les films et tout. Ici, pas de gros mots, pas d'insultes, pas de manque de respect. Voici ce qu'on veut dire pour cette toile. Le juste merci. De rien, Frida, ça a toujours été comme ça, hein, je te dis. C'est que tu n'étais pas seulement là. Ceux qui ont passé le temps à me suivre, là, ils ont... T'as dit que c'est que, après que la mère, laissez-moi en parler, écouter le bracata. Quand tu veux les dire bracata, là tu vas en bracata. Merci Frida pour ton message, c'est très touchant. Oui, oui. Ça fait mal. J'ai blessé. Tana se sent blessée. Mais c'est la vérité. Elle est venue vous donner une réponse de ça. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien. Je peux rien. Juste m'en subir parce qu'elle a la rage. Mais c'est la vérité. Je n'ai pas besoin de porter les gants pour la vérité. La vérité, ça sort, hein. Je vais seulement supporter les injures, puis ça va passer, c'est pas grave. Tana, c'est pas grave, ça va aller. Insulte-moi. Ça ne dérange pas. Tu vois, non, maman, que. Oui, Frida, tu t'abonnes, tu partages. Est-ce que Frida a partagé? Frida, ton commentaire est indolé. Tu vas voir si Frida, je vais te checker. Frida, va te checker. Attends, mais voir si Frida a partagé. Frida a fait un joli message. Hey, Frida, hey. Frida a fait un joli message. Attends, Frida, va voir si tu as partagé. Elle a un vrai profil, parce qu'ils disent souvent qu'ils ont le vrai profil. Mais si vous avez les messages indirects qu'on insulte pas Frida, tu peux tout partager dans le vrai profil. On manque. Elle manque. Hein, Frida. Attends, Frida. Frida n'a pas partagé. Frida, tu n'as pas partagé, beauté. Mais son profil est un genre, ça n'a même pas de photo. Tu sais, il y a les profils d'un genre, un genre. C'est les faux profils ou quoi? Attends, à femme, tu déranges. À femme, tu as posé ta question. Je te réponds à quoi? Je ne vois pas la question de la femme. Il a dit quoi? La femme est au travail. La femme ne me dérange pas. Moi, je m'en vais. Ça va même une question bracata qui va venir nous fatiguer ici, là, maintenant. Voilà. C'est la question. Reine Mère Bio, ma question est la suivante. Je ris d'abord parce que ça va m'amener à pécher. OK? Merci, chance. J'espère que tu as partagé le direct. Hein? Sors, tu partages, tu reviens. Attends, la femme a dit... Un homme normal, le roi du mal des Pharaoh, Panjansan, peut-il garder les vidéos de son ex? Il n'est pas un vecteur de haine et de division. Merci de me répondre amicalement. Oui. Ok. Mais tu vois déjà que le roi du mal que tu dis là, il nous a tous surpris. Nous sommes levés un matin, son clash nous a trouvés. On devait s'asseoir dans notre sofa au balcon, regarder ça, être contente jusqu'à. Même comme maintenant. Les dégâts, ça dit ça a déclenché, ça dit qu'un éclaboussure que tout le monde ne comprend pas. Nous, on est en train d'être léger. Ça lui donne un peu de répit. Donc, on doit se concentrer sur le djangui de ce monsieur. Ça dit qu'il doit bouffer ses 5000 noms sur Meta. Comme il se doit, comme il savait donner les djangui aux femmes. Mais, qu'est-ce qui se passe? C'est maintenant moi qui bouffe. Pas tout chou qui bouffe. Les gens qui n'ont rien à voir dans le problème. La femme, toi-même, tu trouves ça normal. Partout, partout où tu passes, on va m'insulter, m'insulter. Est-ce que c'est normal? Et la femme. Oh, on devait s'asseoir, être les spectateurs. T'as vu que le genre, quand on fait son truc comme ça, tu coupes ce que tu coupes, tu mets. Tu coupes, voilà. La femme, tu ris, mais est-ce que c'est normal que je sois en train de bouffer maintenant? Un dangereux, un jari qui n'a pas de nom. Oh, que c'est lui qui devait bouffer la femme. Merci, Vanita. On va se mendiger. Tu sais que chaque chose a son temps, non, la femme. Ah, Frida, c'est ta petite soeur. Ah, d'accord. Merci. Oh, enchantée, Frida. Enchantée, Frida. Ok, c'est ta petite soeur. Ok, enchantée. Merci pour le comment dire, le... Merci de me suivre, en fait. Et pour les étoiles aussi, Béatrice. Merci. Chaperon ou je sais qui même. Hey, ma Facebook. C'est Kankanjan. Ah, femme, tu comprends, non? On va seulement vivre avec, on va faire comment? C'est le djangui là qu'on veut nous dévier de ça. On veut nous dévier de ça.
Toi, on va seulement bouffer le diable. On va rester sur ça. Moi, je n'ai pas de problème. Et Paris se prépare, donc, le 10 février. Direction Paris, quoi. Calmement. Lentement, sûrement et bien. Je suis à Paris. Paris, Paris, Paris. Alors, je vous aime beaucoup. Le vêtement a été cousu par... attendez, je vais vous mettre le lien. De celui qui va confesser, il y a Douala. C'est un grand... un jeune styliste. Très, très... créateur, son logo, sur tous ses vêtements, tu vois ça. Tu es venue sur la toile avec un concert, alors qu'elle est entrée par les airs de moi à détester, voilà la fin de ça. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Parce qu'elle avait commencé sur moi, elle m'avait dit que j'exagère, pourquoi je clash fort. Elle m'a clashé beaucoup, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais bon, tout ça, c'est derrière nous. Est-ce qu'on va encore à ça? C'est ça, c'est fini, ça. Attends, je cherche le nom de mon style, je le mets en lien. Je vais chercher son nom. Je cherche le lien, mon styliste, pour copier et mettre en commentaire sur la vidéo. Vêtements cousus. Donc, comme j'ai vraiment tout statué sur la stratégie de diversion de nos sœurs, on va seulement... Ma cliente va se concentrer que sur son adversaire. Et puis, nous, on va accompagner notre cliente calmement. Voilà. Je cherche... C'est ça que je t'ai dit, attends. Le lien de mon... Celui qui m'a confectionné les vêtements. Sur tous ces vêtements, on trouve ça. Il y a d'autres qui m'a fait la Mireille, tu vois, RMB, j'ai des gants comme ça, les RMB, c'est tellement beau, tellement chic. Tu peux sortir avec, tu peux aller dans un gros événement, ça dépend. Voilà. C'est ça. Commentaire, je vais mettre un commentaire sur mon direct. Au moins, si vous voulez des tenues cosy, des tenues relax, tu sais, de plus en plus, les femmes s'habillent très très relax, on n'a plus besoin de trop surcharger. Vêtements, voilà, vêtements. Confectionnés par. Voilà. J'ai mis le lien. Oui, c'est un tissu. Le tissu, il est vraiment léger. Le tissu, je l'ai acheté ici. Quand je suis descendue au pays, je suis descendue avec beaucoup de tissu. Et voilà. Puis mamie, je sors, il a essayé de travailler, tu vois. Il essaie d'aller chercher les vêtements avec le tissu, c'est ça. Il essaye de créer des petites affaires comme ça. Puis, attends. Je vais mettre le lien en commentaire. Vous pouvez vous abonner sur sa page. Attendez, je vais épingler, hein. Lien de sa page. Il a Douala confectionne beaucoup de tenues. Voilà, c'est ça le lien. J'ai mis un commentaire dans la vidéo et je viens de l'épingler. Donc vous allez voir ça, l'épingle. Voilà. J'ai épinglé, je crois que vous voyez maintenant l'épingle. C'est le... Vous pouvez lui écrire pour faire des... Voilà, j'ai épinglé là. C'est une robe vraiment en... Ah, ok. Quelqu'un dit qu'elle n'est pas faux profil. Attends, alors je regarde. Peut-être comme je sors d'une page pour aller voir ta page, je ne vois pas bien, ma chérie, si tu es vrai profil. Mais ce n'est pas nécessaire, ça va aller. Ça va aller. Donc, vraiment, c'est un peu ça. Moi, je dis, il faut vraiment qu'on soit unanime là-dessus. Voilà. Ma cliente, Gluta Cosmétique, virgule, est concentrée sur son dossier avec son adversaire, Monsieur Messin. Point à la ligne. Et moi, je défends ma cliente. Pour moi, ma cliente a raison. Ça ne chauffe pas. D'accord? Alors, la diversion pour embrouiller là. La stratégie pour faire genre, pour coller quelque chose à quelqu'un qui va porter encore. Nous, on a mis ça au grand jour. On connaît là. Nous connons. Voilà. Donc, c'est un peu ça.
C'est ce que je voulais vous dire. Merci de m'avoir suivi. Je pense que je vais devoir aller me préparer pour ma soirée relaxe parce que c'est le vendredi soir que j'adore. Vendredi soir, là, tu coules un bon bain, tu fais des huiles essentielles. Demain, vendredi soir, j'ai envie de faire. Qu'est-ce qu'il y a de même cuisiner? Peut-être les steaks, les choses comme ça. Là. Si tu sais, carré, un genre, tu coules ton bain, tu bois ton vin. Non, vendredi, là, ce soir, mérité. Bon. Alors, on va faire quoi là? On va dire quoi? C'est bon, non, j'ai fini, non. Est-ce qu'il y a. La femme est partie, non. La femme, je t'ai un peu répondu. La femme, je t'ai un peu répondu, mais tu sais que tout ça là. Ah. Regarde bien ma photo. Ah, ok. Attends, mais regardez ma chérie. Tantôt, tu as un vrai profil. Ah, Frida, ok. Waouh. Une belle madame. Belle madame. Mais je ne peux pas voir ton compte. Ton compte est comme fermé. Je ne sais pas où c'est parce que je sors de ma page, en fait, Frida. Très belle madame, assise sur ton bureau. Très très belle. Enchantée, ma chérie. Merci de me suivre. Merci de partager. Merci, merci. Il faut que d'autres personnes soient impactées comme toi. Donc voilà. Mélanie, ça c'est ma personne personnelle. C'est les gens de Montréal. J'ai les gens de Montréal en direct. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Mm-hmm. Bisous, bisous, non. Je vous aime, non. C'était la maman. Je vous aime. Faut pas fâcher. Hein. Faut pas fâcher. Si vous voyez Katana, vous lui dites ce que j'ai dit. D'accord. La boucle, c'est plus pour moi. J'ai beaucoup de bonnes choses à faire. Je suis appelée pour les grandes choses. Voilà. C'était la maman. Depuis sa cuisine de la gloire glorieuse. Le mal. Ouais, Seigneur.